صعب. يعطيكم الصحة أنتم مع الحضور تاعكم واهتمامكم، سيت ان بليزير. حبيبي لينا، بارك الله فيك. ربي يخليك، احنا بكم أنتم، أنتم هما اللي تعطيو لو جو وتعطيو لها النفحة تاعها. دونك احنا vous aviez posé une question très intéressante et très pertinente où ما قعدناش باش من بعد نايتي كوبي. قول لي لا كان نعاودو نوليو لهذاك لو بوين اللي كنت انت واسيت، ولا تقدر تعاود لي لا كيستيون هذيك تاع الدير. سو لو ديال الاخر ديرني ديابو ايوا مديت لنا فيها اون فيا ريبوندي قالت لك سي سي لوستريس لا فاز سي لوستريس، انت قلت لها سي اون هيبر استروجين سي اون فاز. داكور صح داكور. دونك بالعقل تشوف سندس نقدر نبارطاجي ليكرون درك؟ وي نورمالمون. هي تخيل الوغ نرجعوا ليها هذيك دابور. هادو لي دو كيستيون. الوغ سي لا دوزيام كيستيون، بوركوا لا سيتولوجي فاجينال de la chienne Laura a été diagnostiquée comme hyperœstrogénisme et pas simplement un œstrus physiologique. Voilà, c'est ça. Voilà, donc le cas, c'est Hadahua. Le Hakika, Hada me dit exactement. Donc je vais essayer de répondre. Est-ce que les éléments de réponse sont suffisants? Naam Sundus, c'est pas moi, docteur. Ah d'accord. Donc parce qu'en fait j'ai retenu deux questions et on va essayer de répondre à ces deux questions back pour recevoir d'autres. Il y avait une première question qui disait s'il n'y a pas de relais placentaire pour la fonction lutéale chez la chienne, comment alors une pathologie placentaire peut-elle donner suite à un métastruse prolongé. Il y a eu la question concernant, on va commencer par sa deuxième et on reviendra à la première question. Alors pour la chienne Laura qui est une femelle du chien du berger allemand âgée de 9 ans, elle dit c'est une chienne que j'ai reçue Anna, dans un service où je travaillais avant en 2008, donc d'être dans un cadre bien précis. Donc elle a dit que le frottis vaginal on ne peut pas le prendre comme un résultat d'un examen isolé à distance, une chauffe-eau, une lame, et on interprète. Ça va être un laboratoire, par exemple, de l'anapath ou le laboratoire de la cytopathe. Il ne peut pas faire un diagnostic sur une lame. Il faut que le résultat, le médecin traitant qui a fait le diagnostic, il recoupe les réponses ou dire la démarche clinique. En tant que clinicien, mais si en tant que un vétérinaire qui a interprété une lame, en tant que clinicien, le cas, permettez-moi de vous donner le cas, j'ai essayé de le prendre tout à l'heure à Ohna, ça c'est ce que j'avais noté sur un bloc-notes, une page du bloc-notes en 2008 même, ça c'est ce que j'avais écrit à l'époque. Alors, est-ce que vous arrivez à voir Amaya? D'accord, alors en date du 1er juin 2008, la femelle Laura, de race berger allemand, âgée de 9 ans, a été présentée en consultation pour le motif d'écoulement vulvo-vaginal de nature sanguine ou sanguinolente. Donc, c'était vraiment une hémorragie, une hémorragie par voie vulvaire. Et l'examen clinique de la femelle a révélé les éléments suivants. Donc, c'était la femelle qui avait manifesté des signes et un comportement de chaleur environ 2 mois avant ce jour. Donc, elle a eu ses chaleurs, elle avait eu ses chaleurs 2 mois avant hadik la date. Et Oujaouha les chaleurs taha de manière normale, parce que c'était une chienne connue pour nous, c'était une chienne de reproduction, on avait l'habitude d'intervenir sur elle, de la faire saillir. Et donc, 2 mois après ses chaleurs, elle revient avec un écoulement sanguinolent, avec des signes de chaleur. Donc, ce n'était pas normal pour nous. Elle n'a pas été saillie sur ses chaleurs, les fatou. Mbad, on trouve sur la chienne présence d'une tuméfaction mammaire en forme d'un nodule d'environ 5 cm de diamètre, qui rappelle la palpation fine
à la palpation fine une nature glandulo-kystique. C'est ce que j'avais écrit à l'époque. Selon des renseignements anamnétiques imprécis, quand je ne suis pas très sûr de ce qu'on me donne comme information, je note tout ça, des renseignements imprécis, cette formation est apparue de façon concomitante avec les chaleurs précédentes, ayant d'abord une petite taille, puis a évolué dans le temps. Donc il y avait quand même une masse au niveau de la glande mammaire. Déclenchement d'un épisode de métrorragie. Elle a fait des hémorragies utérines importantes, intenses, avec formation même de cailloux sanguins, chose qu'on ne voit jamais lors d'un œstrus normal, dans le tube génital. Cet écoulement est devenu, après, muco-sanguinolent. À ces signes génitaux se sont associés des signes digestifs dominés par une constipation. Donc la palpation transrectale appartient à une dilatation du col utérin, consistance dure et obstruction exercée sur le rectum. À l'époque, on n'avait pas en 2008, on n'avait pas de radio. Pardon. Donc à l'époque, n'ayant pas en notre possession d'un échographe, donc on avait plus facilement accès à la radiographie qu'à l'échographie. Donc, on a fait une radiographie abdominale, donc un abdomen sans préparation, un aspect. Un mégacolon avec une coprostase était là, un rétrécissement du canal rectal, dilatation des cornes utérines logées en région caudo-ventrale, avec une présence d'une masse sphérique radio-opaque d'environ 5 cm de diamètre, située en position dorsale par rapport aux cornes utérines, déviant dorsalement le bord ventral du colon, repoussant crânialement les anses de l'intestin grêle. C'est l'interprétation qu'on avait fait à notre cliché, et la suspicion, c'était quoi? Cette structure pouvait correspondre à une formation ovarienne. Présence de plusieurs structures sphériques radio-opaques d'environ 1 cm de diamètre à proximité dorsalement aux cornes utérines, et semble être en continuité avec les cornes utérines d'un côté avec la masse de 5 cm précitée. Ces structures peuvent être des ganglions hypertrophiés du ligament large ou du mésentère. Et à ce moment-là, on a fait une cytologie vaginale, yani un frottis. Le frottis d'Orca a été empêché au début d'évolution par les écoulements, d'abord sanguins, puis muco-sanguinolents. Après, c'est des soins locaux et régionaux. Ces écoulements se sont taris. L'examen cytovaginal a révélé une surabondance de cellules vaginales superficielles, complètement kératinisées, à majorité anucléées. L'indice éosinophile était alors de 100%. Ce profil cytovaginal en faveur d'une kératinisation accrue de l'épithélium vaginal se rencontre d'habitude en dehors de toute pathologie lors de la phase de strus du cycle. Dans le cas de la chienne Laura, ce profil ne correspond pas au stade du cycle œstral dans lequel se trouve actuellement, parce qu'on connaît le cycle Taha actuellement, la femelle. Alors, physiopathologiquement parlant, il plaide en faveur d'un hyper-œstrogénisme, ce qui par ailleurs semble être en concordance avec la clinique. Et à l'époque, on devait continuer par un dosage, bien sûr, des œstrogènes, chose n'ayant pas pu être faite à l'époque. Donc, c'est ce que j'ai retenu de ce cas. Est-ce que vous voyez maintenant, quand je vous montre, par exemple, les images, et je vous demande de raisonner Maya sur l'étiologie, ou là, on va dire plutôt le diagnostic. Donc, le résultat, un geste comme le frottis vaginal, il ne faut pas le prendre isolé et faire une interprétation automatique à un stade de cycle. Tout à l'heure, quand on était en train de parler du frottis vaginal dans le diagnostic des pathologies, ce n'était pas forcément le cycle. Ça dépend de la situation dans laquelle on est. Donc, on sait que cette chienne présentait une pathologie, présenter une anomalie, on avait fait une radiographie, on avait fait un examen clinique, et fait peut-être un dosage et tout. Donc, les résultats, le profil, le frottis.
Alors, Monsieur Blala, je pense que le son s'est coupé. Hein. Ah, non, non, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui prenait la parole. Voilà pourquoi je me suis tu. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu. Est-ce que c'est Khaled, la réponse est suffisante ou est-ce qu'il vous reste encore des interrogations? Alors, docteur Khaled, qui a posé la question, est-ce que ça répond à votre question, les éléments que je viens de donner, ou alors que vous voulez qu'on... Oui, monsieur. Oui, c'est Khaled, c'est est-ce bon. Que... Oui, est-ce c'est que, clair. Est-ce, c'est que vous c'est voyez, bon. Est-ce que vous voyez dans quel cadre le fraude a été fait? Il a été fait dans le cadre d'un diagnostic d'une pathologie qu'on ignorait. Le schéma qui était devant nous, c'était une hémorragie utérine avec une formation qu'on avait aperçue, qu'on avait palpée et qu'on avait aperçue à la radiographie. Donc, c'était pas le strus physiologique. Tu vois ce que je veux dire, Khaled? D'accord. Donc, monsieur... ما ناش في لافاز اوسترال من ديبي على بالنا بلي ما راناش في لافاز اوسترال ما ناش من نهار الاول من نهار الاول خلاص على بالنا بلي لي شالور ايتي ديجا باسي سي ديجا باسي سي لي بون دو موا اي كو لي سيني اللي كانوا هنا سيتي دي سيني كي سورتي ان بو دو كادر دو نوستر فيزيولوجي Voilà. Donc, il faut savoir que quand vous avez des écoulements, c'est pas toujours les chaleurs. Hein. Parce que quand vous avez un saignement, c'est ce qu'on appelle la métrorragie. La métrorragie, c'est une hémorragie utérine avec un saignement qui sort par la vulve, qui sort par le vagin, ça qui provient de l'utérus. C'est un saignement très fort. Donc, vous n'allez pas dire que c'est les chaleurs. Donc, monsieur, oui. Le saignement est toujours associé avec une sécrétion accrue d'ostrogène, une hyperostrogène. C'est le cas. La métrorragie, elle peut avoir plusieurs étiologies. Hein. Même bien les étiologies, c'est les œstrogènes. Qu'une métrorragie qui est traumatique, qu'une métrorragie qui est par exemple après un traumatisme tel la parturition, ou ce qu'on disait tout à l'heure, la métrorragie qui peut être associée au retard d'involution tel le placenta et l'utérus, ce sont des étiologies d'hémorragie. Mais ça, qu'une aussi. Les hémorragies qui sont dues à une prolongation de l'effet des œstrogènes dans le sang. Voilà. Donc, monsieur, je voudrais vous poser une question. Oui, bien sûr. Je voudrais aussi revenir à la première question qui a été posée. Merci, monsieur Ataksaha. Je vous en prie, Sehal. Faites-les poser votre question et on va revenir à votre question. Oui, est-ce que ce problème-là, est-ce qu'il a un rapport avec une hypothyroïdie? On sait que les chiens ont une tendance à cette maladie, quoi. Oui. Bon, écoutez, l'hypothyroïdie... Est-ce que vous avez fait, comment dirais-je, un dosage de TSH? D'accord. Donc, je vous réponds. L'écran est derrière comme tu vous fais, Maya. J'arrive pas, mais tant pis. J'entends. Pardon? Je ne vois pas, mais tant pis, j'entends. D'accord. Bon, j'essaierai de répondre alors oralement. Donc, pour les hypothyroïdies, vous savez que pour l'hypothyroïdie ou pour l'hypercorticisme, qui est la maladie ou de Cushing, donc le Cushing ou l'hypothyroïdie, c'est des troubles endocriniens qui donnent toujours des infertilités, qui donnent des problèmes de reproduction, mais qui n'ont pas de... n'est pas souvent associé à ces dysendocrinies, c'est beaucoup plutôt n'est pas associé à cette hypothyroïdie et l'hypercorticisme. Donc là, on pense beaucoup plus à un problème d'œstrogène ou alors un problème de subinvolution, retard d'involution, ou un problème de
un problème de traumatisme à la parturition. Ça, c'est ce qui donne souvent les hémorragies. On peut penser aussi à des hémorragies essentielles, c'est ce qu'on appelle les métrorragies essentielles. Vous allez voir que métrorragie, c'est vraiment un syndrome derrière lequel se cachent plusieurs étiologies probables. Par contre, l'hypothyroïdie, on va la rencontrer. L'hypothyroïdie, on va la rencontrer dans les anostrus prolongés. Je vais vous montrer tout à l'heure quand on avait parlé du frottis vaginal et son intérêt dans le diagnostic de certains troubles. Voilà, de certains troubles de la reproduction. Du cycle. Pardon. Voilà. Donc ici, pour l'anostrus prolongé. Vous voyez ici, l'anostrus prolongé, quand on confirme qu'il s'agit d'un anostrus prolongé, là, les causes hormonales peuvent être un kyste, peuvent être une tumeur ovarienne, peuvent être un syndrome de Cushing, peuvent être une hypothyroïdie, une hyperlipidose, un dopage, traitement bien sûr avec les hormones, iatrogène d'origine thérapeutique ou idiopathique. Donc l'hypothyroïdie, on va la trouver beaucoup plus en étiologie d'un anostrus prolongé, ce qui matérialise sur le plan clinique le syndrome d'interostrus prolongé, mais pas lors de métrorragie. Donc, est-ce que vous avez saisi la réponse, docteur? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je saisis l'occasion de cette slide aussi pour répondre à la question qui a été posée sur le chat aussi tout à l'heure par rapport, je crois, aux pathologies placentaires. Est-ce que Sondus, la personne qui avait posé la question, nous écoute? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle peut intervenir? Je ne sais pas, monsieur, parce que D'accord. Est-ce que tu as de l'évacuer la question Taha? Normalement, monsieur, qui est sur le chat, pour rester fidèle, j'avais noté. Pour rester fidèle à ces questions. Alors, moi, je vais noter tout de suite après la coupure. Pour ne pas oublier, j'avais noté les questions posées et j'avais noté deux. Une, on y a répondu. L'autre, s'il n'y a pas de relais placentaire, pour la fonction lutéale chez la chienne, comment alors une pathologie placentaire peut être donnée suite à un métostrus prolongé? Est-ce que vous confirmez, Sandus? Monsieur, il n'y a pas de souci. Il y a le document. Ok. Donc, peut-être que la question, elle va nous permettre de revenir à un détail sur lequel on n'a pas eu le temps de nous étaler. Donc, peut-être qu'on va cette fois-ci tirer les choses au clair concernant monsieur, la fonction. Oui. Donc, elle a dit, vous avez dit que chez la chienne, il n'y a pas de relais de sécrétion de B4 par la placenta. D'accord. Très bien. Pourquoi alors un métostrus prolongé pourrait être dû à une pathologie placentaire? Parfait. Donc, très bien. C'est ça, je confirme. Oui, donc, la question veut dire que si, monsieur, voilà. La question donc, c'est... La séance passée, mais je suis la séance. C'est vrai que j'avais, et je crois que Tim laissera le malentendu, parce qu'au fait,
Je crois que je devais peut-être présenter les choses de façon plus claire. On va revenir à cette question parce que quand je reçois une, deux, trois questions, l'auditoire, ça veut dire qu'il y a un malentendu, quelque chose qui n'a pas été bien peut-être transmis. Hein, le message n'a pas été bien transmis, donc je reviens. La phase lutéale. Donc, j'ai pris cette slide qui appartient à la Hakika. Je vais l'agrandir. Cette slide, elle appartient à une autre visioconférence, Sondus. Allez, on va emprunter cette slide. Cette slide, c'est quoi? C'est une comparaison entre la lutéolyse chez une chienne gestante et une chienne qui n'est pas gestante. C'est-à-dire, on prend deux cycles. Un cycle pregnant cycle and non-pregnant cycle. Donc, et la lutéolyse, qui est la régression du corps jaune, parce que chez la chienne, il n'existe que le corps jaune, en fait. Il n'y a aucun relais. C'est ce que j'étais en train de dire et j'insiste dessus. Il n'y a aucun relais en plus du corps jaune. Il n'y a que le corps jaune qui produit les hormones gonadiques, donc c'est la progestérone pour l'état gestatif. Donc, pour cette fonction lutéale, activité ovarienne, elle diffère de la chienne gestante et la chienne non gestante. Alors, ce que je disais, la dernière fois, fait la première conférence, était valable pour la chienne non gestante. Parce que la chienne non gestante, elle a un cycle un peu particulier, alors que la chienne gestante, elle n'est pas particulière, elle ressemble à toutes les autres femelles. Elle retrouve tous les mécanismes de lutéolyse par les gonadotrophes, par les prostaglandines et tout, ça se fait exactement de la même manière que les autres femelles dominantes. Par contre, quand il n'y a pas de gestation, la chienne devient très particulière. C'est-à-dire que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, ici, si je prends le diœstrus ou le métœstrus qui correspond à un cycle non gestant, la lutéolyse se fait de manière très différente des autres femelles. On ne voit pas, c'est ce que je disais, il n'y avait pas de prostaglandine de PGF d'alpha, et c'est vrai, il n'y a pas synthèse de PGF d'alpha pour la lutéolyse chez la femelle qui n'est pas gestante. La lutéolyse se fait, elle n'est pas modulée par, excusez-moi, c'est en anglais, donc elle n'est pas modulée par la PGF d'alpha. Elle est par contre soumise à un contrôle différent local, paracrine, autocrine, un contrôle du système immunitaire aussi, et aussi d'autres systèmes vasculaires qui peuvent intervenir. Et d'ailleurs, la recherche fondamentale qui se fait ici, dans cette région-là, pour essayer d'éclaircir encore plus les choses et bien sûr de lever quelques obscurités, zones obscures et tout dans la lutéolyse, dans le cycle diœstral non gestant, se fait de façon très intensive. Donc, par contre, la deuxième moitié de cette slide, qui est le cycle gestant, il répond, voyez par vous-même, à la fin de la gestation, il y a toujours la maturation de cet axe, bien sûr, pituitaire surrénalien. Et quand le fœtus devient capable de sécréter, bien sûr, les glucocorticoïdes, ces glucocorticoïdes vont faire augmenter dans un premier temps les œstrogènes, vous le savez bien. Et après, il y a une synthèse endogène de PGF d'alpha qui atteint les concentrations lutéolytiques et qui, par la suite, va faire chuter la progestérone et le déclenchement de la parturition avec l'action associée de l'ocytocine, la vasopressine. Ça, c'est un schéma qui est valable aussi bien pour la chienne que toutes les femelles. Par contre, en absence de gestation, la chienne devient très différente des autres femelles. Pourquoi elle est très différente? Parce qu'au fait, en absence de gestation, il n'y a pas l'action de l'embryon
qui modifie quelque chose au niveau de l'utérus pour quoi que ce soit. Donc les choses continuent de la même manière. Le cycle œstral et le cycle lutéal continuent. Une phase lutéale se prolonge pour la même durée que la gestation. Et cette phase lutéale qui va durer au moins 2 mois, elle va aussi se terminer de façon très, très, très différente des autres femelles. Et on arrive au jour d'aujourd'hui pas à expliquer dans le détail cette lutéolyse. On a des éléments que je suis en train de vous présenter ici. Donc, c'est le contrôle de la fonction lutéale par cette action locale paracrine, autocrine, les mécanismes paracrine, autocrine, par le système immunitaire aussi. Donc, tout ça, c'est pour montrer que la chaîne est très différente. Donc, ici, je me permets d'aborder la question qui vient de m'être posée et ce lien, cette confusion qu'il y a eu entre cette chaîne gestante et chaîne non gestante. Quand on parle de pathologie placentaire, c'est fini, c'est la gestation. Donc, la chaîne ne fait pas l'exception. Donc, quand on parle de pathologie... Je reviens maintenant pour le... Excusez-moi. Pour répondre à la question, et on passe aux exercices rapidement. La question, c'est l'interostose. Très bien. Alors, on insiste, il n'y a pas de relais placentaire chez la chienne. Il n'y a pas de relais placentaire. Le placenta ne produit pas de progestérone pour aider la fonction lutéale assurée par l'ovaire. Et quand il y a une pathologie placentaire ici, ce qu'ils veulent dire ici par les pathologies placentaires qui peuvent être la cause d'un métastrus lent, ça veut dire que c'est une atteinte du placenta qui peut empêcher la synthèse des prostaglandines. Donc, si la synthèse des prostaglandines est responsable du déclenchement, bien sûr, du PAR, maintenant, s'il y a un dysfonctionnement qui empêche cela, l'état gestatif risque de se prolonger. Et l'état gestatif qui est en quelque sorte un métastrus aussi. Hein. C'est la même période, le même aspect, la même endocrinologie. Hein. Donc, c'est un peu la prolongation, bien sûr, de cet état gestatif qui risque d'être considéré parfois, quand on ne fait pas un diagnostic de gestation, on ne fait pas aussi de risque d'être considéré comme étant un métastrus prolongé et qui est dû cette fois-ci aux pathologies placentaires. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le relais placentaire. La confusion n'a pas lieu d'être dans une chose totalement différente. Le relais placentaire n'existe pas. Et quand on parle de relais placentaire, c'est la période initiale. Maintenant, on est au niveau du placenta et on est au niveau du prolongement de cet état gestatif par incapacité de synthèse des prostaglandines qui vont déclencher le PAR. Donc voilà, je crois que j'ai donné un élément de réponse. Maintenant, Monsieur, il y a 3 questions sur le chat ou aussi 2 ou 3 participants qui lèvent sa main. D'accord, il n'y a pas de souci. Je passe la parole. Il n'y a aucun problème, mais il faut quand même qu'on arrive à faire les exercices. Oui, d'accord. Juste répondre à une question. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y. Donc, je passe la parole à Galaxy. D'accord. Je fais son dossier que Trabichat sur l'écran si on peut les retirer pour. Attends. D'accord. C'est bon. Très bien. Allez, je. Donc, monsieur, je vais lire les questions au chat. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a quelqu'un qui dit avez-vous dit que parmi les causes d'hyperostrogénisme, on a une atteinte hépatique? Ça, c'était par rapport à quoi? Par rapport au catabolisme des hormones
au niveau hépatique ou quoi? Exactement, exactement, c'est bien répondu. Vous savez que c'est un peu l'histoire de la durée d'action des molécules qui se prolongent parce que les réactions biochimiques qui vont arrêter leur action sont défaillantes par une insuffisance hépatique. Donc, ça va prolonger. Donc, ça rejoint un peu ce schéma. Vous savez, pour les organes, pour les hormones gonadiques et tout, il y a tout un système de transporteurs qui sont gérés par le foie. Et quand il y a des perturbations de la fonction hépatique, il y a toujours des perturbations de la fonction reproductrice qui se font avec. Et c'est comme ça que ça s'explique pour l'hyperœstrogénisme. Donc, parce que au fait, l'hyperœstrogénisme, quand on parle d'hyperœstrogénisme, moi, je n'aurais pas dit hyperœstrogénisme parce que ce n'est pas vraiment un hyperœstrogénisme. C'est un peu les œstrogènes qui prennent un peu plus de temps à exercer leur effet dans le sang. Ce n'est pas une quantité excessive. Donc, c'est les œstrogènes qui se prolongent dans le sang. Donc, c'est l'effet des œstrogènes qui augmente. Ce n'est pas la quantité. Donc, et l'effet des œstrogènes qui augmente, parce qu'il n'y a pas, bien sûr, tout le bagage biochimique capable de limiter dans le temps cette activité. Vous savez que quand vous avez une quantité d'œstrogène dans le sang, l'effet de ces œstrogènes sur les cellules cibles continue à s'exercer très longtemps. Et ça, c'est le problème. Même si la quantité reste normale dans le sang. Et ça, c'est lié directement bien sûr à la fonction hépatique. Je peux citer un exemple similaire qui est l'aldostérone. Vous avez un hyperaldostéronisme. Il existe un hyperaldostéronisme bien sûr direct et indirect. Donc l'hyperaldostéronisme direct et l'hyperaldostéronisme indirect, c'est quand on ne peut pas désactiver l'action de l'aldostérone. Donc, il continue à exercer son action dans le sang de façon prolongée dans le temps. Donc, c'est ça le problème de l'hyperœstrogénisme et l'insuffisance hépatique ou les atteintes particulières du foie qui interfèrent avec, bien sûr, l'arrêt de cette activité œstrogénique. Voilà. D'accord. L'autre question, s'il vous plaît, plus de détails sur les chaleurs silencieuses et leur corrélation avec l'infertilité. D'accord. Les chaleurs silencieuses et leur chaleur silencieuse et leur corrélation avec l'infertilité. D'accord. Pour les chaleurs, je reviens. Pour les chaleurs silencieuses, en réalité, c'est un problème qu'on n'a pas discuté en détail, parce qu'au fait, moi, ce que je voulais, Sandus, je voulais initier l'équipe, je voulais initier l'équipe à la pathologie de la reproduction chez les carnivores et ne pas faire vraiment un cours sur la pathologie. Je voulais juste, à l'occasion du frottis vaginal, essayer de donner un avant-goût, bien sûr, aux participants à la gestion, bien sûr, de la reproduction et surtout les troubles, les perturbations les plus fréquentes du cycle œstral. Par contre, si on voulait faire une conférence dédiée spécialement à la pathologie, bien sûr, de la reproduction, on aurait commencé par le début, on aurait assis la théorie fondamentale pour expliquer en profondeur les choses. Donc, pour les chaleurs silencieuses, ce sont des chaleurs discrètes qui passent inaperçues et souvent, ce sont des chaleurs anovulatoires, mais qui passent inaperçues et qui passent inaperçues dans une période d'interœstrus qu'on considère lent, c'est-à-dire le propriétaire vient vous dire que la chienne n'a pas eu ses chaleurs depuis un an et demi, deux ans. Alors qu'en réalité, non, elle a eu ses chaleurs, mais c'est des chaleurs qui étaient mal exprimées, mal extériorisées
et qui serait éventuellement difficilement remarquable. Donc, ces chaleurs silencieuses, on peut trouver dans ces chaleurs silencieuses, par exemple, le problème soulevé tout à l'heure de l'hypothyroïdie. On peut trouver l'hypercorticisme, par exemple. On peut trouver, par exemple, le problème d'un traitement de la femelle par les corticoïdes. Peut-être qu'elle a un problème, un problème d'une dermatite atopique qui a une composante allergique, et le vétérinaire l'a mise sous traitement de corticoïdes prolongés dans le temps. Et on sait que, comme l'hypercorticisme, les corticoïdes ont interféré avec la fonction reproductrice et ça va perturber le cycle en donnant, bien sûr, des chaleurs silencieuses. On arrête le traitement des œstrogènes et le problème se règle. Des chiennes, par exemple, de traîneau, de la neige, des chiennes qui font du sport, qui font de la course, hein, les chiennes de course et tout, et qui sont traitées, bien sûr, en vue de dopage par plusieurs molécules dopantes qui vont interférer aussi avec le cycle et donner ce genre de chaleur silencieuse. Donc, l'hyperlipidose aussi, que les hormones gonadiques sont traitées à partir d'un substrat membranaire qui est le cholestérol. Alors, tout ce qui rentre en interférence, bien sûr, avec le cholestérol, peut donner des dérèglements du cycle, bien sûr, directement, parce que c'est le cholestérol qui est le substrat initial, bien sûr, dans la voie, on va dire, métabolique ou biochimique de synthèse des hormones gonadiques. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Est-ce qu'il y a une autre question, Sandus? Oui, il y a. Donc, si on est face à une gestation extra-utérine chez la chienne, le frotté vaginal a-t-il un intérêt et est-ce que Kélia aura de changements de ce frotté? En fait, non, je ne pense pas, ça n'a pas d'intérêt parce que, que ce soit dans la gestation extra-utérine ou les autres pathologies de la gestation, je ne vois pas un grand intérêt pour le frotté. Donc, sincèrement, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça puisse avoir d'intérêt lié. Donc, là où il n'y a pas d'intérêt, il faut savoir que le frottis, il est là dans des situations bien particulières. Mais quand il ne peut pas, le frottis, il est lié soit au phénomène de kératinisation sous l'effet des œstrogènes, soit il est lié, bien sûr, à la présence de certaines cellules particulières qui ont une signification d'un processus pathologique. Les leucocytes, les hématies, les cellules tumorales, les cellules, les cellules syncytiotrophoblastiques ou pseudotrophoblastiques pour la subinvolution des ondes d'insertion placentaire. Donc, c'est des significations bien particulières. Mais quand il n'y a rien de tout cela, donc le frottis vaginal n'a aucun intérêt, tout simplement. Mm-hmm. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en prie. Non, c'est bon, c'est terminé. On peut passer au exercice. Allô? Très bien. Alors, maintenant, de toutes les manières, on est là. On peut revenir aux questions. Débat. Il y a une autre question. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Allez-y. Bonjour, monsieur Blahla. Bonjour, merci pour votre temps. Merci. Je suis docteur Hanani de l'université de Tarf. Allah ybarak, merci. Je veux juste vous poser une question concernant les frottis vaginaux. D'accord. Est-ce qu'on peut les extrapoler sur les grands carnivores, c'est-à-dire tout ce qui est animaux sauvages, tigres? Oui, oui, oui. Parfaitement. Ouais, on peut parfaitement faire ça. Vous savez, moi, je voulais au départ
faire tout à la fois. Pour être sincère avec vous, parce qu'ici en Algérie, on n'a pas beaucoup de données dans les universités sur les carnivores. Je voulais donner pour les carnivores domestiques et sauvages, les grands félins et les grands canins. Donc, et finalement, je m'étais dit non, il fallait aller mollo, doucement, commencer par la chienne d'abord, puis le chien, la chatte, le chat, et après aller voir à peu près les particularités de reproduction des animaux sauvages tels que les grands félins, qui sont très intéressants, et les grands canins aussi. Je vous réponds tout de suite qu'on peut extrapoler et que c'est déjà fait, on extrapole. On peut faire de la cytologie vaginale et c'est très, très significatif chez les grands canins et chez les grands félins aussi. Parce qu'il y a quelques particularités en cytologie vaginale chez les félins domestiques et qui est très extrapolable sur les grands félins sauvages. Même chose pour la chienne. Ce qui est valable pour la chienne, sachez que la chienne a toujours été modèle d'étude pour les canins sauvages, à quelques différences près. Il y a quelques animaux, quelques canins sauvages qui peuvent bien sûr avoir quelques particularités par-ci, par-là. Et en étudiant ces modèles-là, on va souligner au départ ces particularités. Mais la règle générale, c'est que tout ce qui est valable sur la chienne, qui est Canis familiaris, tout ce qui est valable sur cette femelle canine domestique, serait valable et extrapolable sur les grands canidés sauvages. Voilà, ça c'est en gros, je pourrais dire à titre d'exemple pour ce que j'appelais exception. Vous savez que pour les carnivores sauvages de manière générale, pour les carnivores sauvages, et on va parler des canidés sauvages, on avait dit dans la première conférence que l'état gestatif, on ne pouvait pas le suivre avec le dosage de la progestérone. Oui, c'est sûr. On ne pouvait pas le suivre par le dosage de la progestérone dans le sang, par la progestéronémie, que ce n'était pas vraiment un marqueur biologique de l'état gestatif. Par contre, les métabolites de la progestérone dans les déjections, on va dire dans les fesses et tout, pour les grands canins sauvages, serait très intéressant comme un moyen de suivi de l'état gestatif. Vous voyez, ça c'est une particularité qui serait pas, c'est pas que c'est pas valable chez le chien, mais chez la chienne c'est même pas intéressant. Vous voyez, c'est même pas intéressant, c'est pas envisageable, mais dans les conditions des animaux sauvages, ça serait intéressant. Donc il y a quelques particularités qu'on va étudier chez le chien. Parce que c'est intéressant chez le chien, parce qu'il serait intéressant de l'extrapoler sur les canidés sauvages. Il y a plein d'exemples pareils de particularités qu'on pourra discuter le jour où on arrivera à faire une petite conférence sur les canidés sauvages et les félidés sauvages. Et j'ai bien intention de donner bien sûr à ce sujet un peu plus de temps et de crédit, parce que il y a parmi nous certainement des collègues qui travaillent dans des zoos, qui travaillent dans des parcs nationaux, qui travaillent dans des réserves naturelles et tout. Et je ne vous cache pas que j'ai, dans le cadre de la plateforme biotechnologique de la reproduction carnivore, de BLIDA, j'ai quelques collaborations, quelques conventions engagées avec des spécialistes en reproduction des grands félins et des canidés sauvages aussi, tels que Xavier Lévy et Alain Fambonne de France, Paris et Toulouse, et avec Pedro, un Brésilien qui est excellent aussi en reproduction des grands félins sauvages, qui fait de l'IVF, qui fait aussi de l'insémination, de la récolte de semences chez les grands félins par les techniques, bien sûr, assistées pharmacologiquement et tout, par le cathétérisme urétral. Et on a plein de projets de travail ensemble. J'envisage aussi de ramener ces gens-là ici en Algérie et de proposer à ce moment-là. Donc, c'est justement pour ça que. Pardon,
C'est justement pour ça que je vous ai posé la question, parce que j'ai travaillé pendant une grande période au zoo. D'accord. Donc, nous avons démarré avec 2 lions. Actuellement, on est avec 22. Parfait, très bien. Oui. Et aussi, nous avons un autre problème qui s'agit d'une tigresse qui a maintenant environ 9 ans, qui n'a jamais été saillie. D'accord. Donc là, c'est des situations à voir. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, on a eu une petite expérience. Je vais peut-être pas dire tout ce que j'ai sur le cœur, mais on a eu une petite expérience avec une équipe qui a bien voulu faire une insémination d'un grand félin sauvage. Et ce qu'on a trouvé un peu choquant, c'est que ces gens-là, animés de bonnes intentions, des universitaires et tout, ont voulu inséminer une femelle à ovulation provoquée sans prendre le soin de provoquer cette ovulation. Donc, il avait assimilé un canidé. Et ils avaient inséminé sur un cycle où l'ovulation ne pouvait pas se faire toute seule. Parce que quand on insémine, on n'a pas fait le coït. Donc, c'est-à-dire que là, il faut vraiment prendre le temps de provoquer, pharmacologiquement parlant, de provoquer avec un protocole hormonal l'ovulation pour que l'insémination puisse, bien sûr, se suivre d'une fécondation. Donc, quand on est devant des félins, il faut raisonner avec la particularité physiologique des félidés, qui est l'ovulation provoquée. Et vous savez qu'on n'a pas beaucoup de problèmes avec la fertilité des grands félins, parce qu'en fait, les choses sont bien arrangées entre elles. C'est le coït qui déclenche l'ovulation. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un écart entre la disponibilité des spermatozoïdes et la fécondabilité des ovocytes. Hein. C'est au moment où le coït se fait, l'ovulation se déclenche et ça crée vraiment cette disponibilité en même temps des deux gamètes mâles et femelles. Mais quand on fait de l'insémination artificielle, il faut vraiment qu'on fasse attention à chaque détail, comme celui d'arrêter ou d'instaurer un protocole d'induction de l'ovulation avant d'inséminer. Bon, je le dis comme ça au passage, mais un jour, on va revenir à tous les détails concernant ce sujet-là. Donc, voilà. Si vous voulez bien, on peut rester en contact et en discuter un peu plus le sujet. Bien sûr, avec plaisir, Dr Hanna. Je suis à votre disposition. Ça sera avec plaisir. Vous avez mes coordonnées sont sur la page Facebook de la plateforme. Sinon, vous pouvez les prendre auprès de Sundus Hedekrahe Wahdam Ibnati. Donc, Dr Akrish, vous pouvez lui demander toutes mes coordonnées. On va rester en contact. Et Inch'Allah, on va trouver un terrain de collaboration pour travailler sur ça ensemble. Contactez-nous ou email mentionné ou la page Facebook, je vais donner tout. D'accord, ok, merci docteur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie docteur, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci Jean-Fri. Alors, Sundus, je crois qu'on on commence les exercices rapidement. Oui. Oui. Alors, les exercices, essayons de faire maintenant quelques exercices pour appliquer ce qu'on a vu jusque-là. Et j'attire votre attention, bien sûr, que ces exercices peuvent, bien sûr, faire appel aussi à vos connaissances acquises dans la première conférence aussi. Donc, rappelez-vous de votre protocole d'insémination, les périodes de fécondabilité et tout, tout ça, c'est valable pour répondre à la seule différence que vous n'aurez pas droit au dosage de la progestérone. Donc, vous allez raisonner uniquement avec les données de la cytologie vaginale. Donc, d'abord, essayons de voir et d'interpréter ensemble ces petites lames. Alors, Sundus. Colélé, qu'est-ce que tu vois sur cette lame? Tu vas essayer d'interpréter en fonction des critères, des caractères généraux de l'âme. Dites-moi, est-ce qu'il y a une richesse de cellules
ou une pauvreté de cellules. Donc, il y a des cellules basophiles et acidophiles. D'accord. Est-ce que cette lame est riche ou pauvre en cellules? Normalement, riche. Elle est riche en cellules. Oui. Est-ce que le fond de cette lame est sale ou propre? Le fond est sale. Il est sale et elle est riche en cellules. Autre chose, est-ce que la prédominance, c'est les cellules superficielles et grandes intermédiaires ou les basophiles et petites intermédiaires? Normalement, c'est les basophiles. Qui prédominent les basophiles ou là, les acidophiles? Remarque. Les kératinisés, c'est les cellules, un de mes étudiants m'avait fait la remarque tout à l'heure, Kaliyashir Makhmet insistit, je vous ai sur la morphologie des cellules, il avait entièrement raison. Je ne sais même pas pourquoi je n'avais pas peut-être donné beaucoup, beaucoup de temps et d'intérêt à la morphologie des cellules, depuis les parabasales qui sont les cellules rondes, avec un gros noyau, et un petit cytoplasme bleu et un cytoplasme bien arrondi, un noyau bien coloré, les parabasales. Et après, on a les intermédiaires, les petites intermédiaires qui commencent à devenir doubles de taille, mais qui restent quand même toujours plus ou moins arrondies, et les grandes intermédiaires qui deviennent un peu angulaires. Le cytoplasme devient angulaire, se déforme, et le noyau relativement apparaît petit par rapport à la parabasale. Quant à la superficielle que vous voyez ici, elle perd totalement la régularité de son pourtour. Donc, elle devient vraiment très angulaire avec présence d'un noyau pycnotique ou là carrément pas du tout de noyau. Donc, un noyau qui est en train de mourir en pycnose ou complètement mort et disparu. Et ça, c'est des superficielles, Sandus. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de superficielles qu'autre chose, hein, et quelques cellules bleues. Donc, on a des cellules kératinisées regroupées. Regarde, regroupées. Autre chose, est-ce qu'il y a des globules rouges? On n'a pas beaucoup. Il y a des participants qui ont dit répéter la morphologie. Ah, qu'il faut répéter la morphologie. Morphologie. D'accord. Tout de suite. Ils ont raison. Mais là, j'ai vendu la mèche. Hein. C'est la fin prostrus ou là un ostrus atypique, Sandus. Hein. La réponse, elle est là. On va donner l'exercice. Mais je vais revenir au début. Franchement, c'est la première fois de ma vie que je fais un truc anti-pédagogique, de donner une présentation aussi longue que celle-ci. D'habitude, je ne dépasse jamais une heure et demie, une heure et quart. Et là, j'ai décidé pour les fois à venir de ne pas charger trop la quantité d'informations à donner, comme ça pour qu'il y ait plus d'interactivité, pour qu'il y ait plus d'assignation, parce qu'à force de vouloir tout donner et d'avancer, on perd tout. Donc, je reviens ici à ces cellules. Donc, essayez de suivre avec moi. Regardez une parabasale. Vous voyez la parabasale? Avec la richesse ici, le noyau, il est gros, coloré en rouge. Il peut être coloré en violet ici. C'est la coloration qui diffère. Ça, c'est une coloration diff-quick, monochromatique, et ça, c'est un narichor polychromatique. Donc, ça, c'est une cellule parabasale. Ça, c'est une cellule parabasale. Le rapport noyau-cytoplasme est grand. Donc, vous voyez, il est grand. C'est-à-dire que le noyau, par rapport au cytoplasme, il est quand même très grand. Le noyau, ce qu'on appelle le ratio nucléo-cytoplasmique est important. Donc, vous avez un cytoplasme petit avec un aspect très arrondi à ce cytoplasme et qui est bleu, vert ici et bleu ici. C'est la différence de la coloration. Cette parabasale, elle vient directement après les cellules basales qui sont assises sur la lame de l'épithélium.
Donc, vous voyez, l'épithélium vaginal, il y a une lame, et sur la lame, il y a une couche de cellules basales les plus intimes, les plus adhérées à la lame épithéliale, et sur ces cellules-là viennent les parabasales. Les parabasales, une à deux couches, et après, c'est les intermédiaires. Donc, rappelez-vous bien que le noyau, il est grand, il est très bien coloré, parce qu'il est jeune, c'est une cellule très jeune, qui est en très bonne et parfaite santé, avec un petit cytoplasme bleu, ça c'est la parabasale. Après, les cellules intermédiaires, il y a les petites et les grandes. Regardez les intermédiaires qui commencent à grandir ici. Ça, c'est une petite intermédiaire. Ça, c'est une parabasale. À côté, c'est les intermédiaires. Les intermédiaires, au fait, le noyau commence à devenir double de taille qu'une cellule parabasale, mais qui garde toujours l'aspect plus ou moins arrondi. Il n'est pas angulaire, plus ou moins arrondi. Vous voyez ? Peu après, cette petite intermédiaire peut devenir grande intermédiaire et approcher même la taille d'une superficielle. Mais elle perd la régularité, elle perd l'aspect arrondi de son cytoplasme. Donc, le noyau devient beaucoup plus petit que la parabasale et le cytoplasme devient plus grand. Donc, le rapport nucléo-cytoplasmique devient faible et le cytoplasme reste toujours bleu, mais le pourtour, il est irrégulier. Il devient un peu plus ou moins angulaire. Il est un peu irrégulier. Il n'est pas angulaire, mais il est irrégulier. Regardez comment il est. Elle devient un peu allongée et le noyau n'est pas forcément au milieu. Regardez ici, ces intermédiaires. C'est ces cellules intermédiaires et vous avez ici la parabasale. On vient ici, on voit aussi les intermédiaires petites à grandes intermédiaires. Ce n'est pas des superficielles. Hein. Ce n'est pas des superficielles, c'est des cellules intermédiaires entre la parabasale et entre la superficielle. Avec une autre coloration, on peut voir autre chose. On peut voir les précurseurs de la kératine. La kératine, c'est cette protéine qui est synthétisée sous l'effet des œstrogènes, qui commence à se déposer dans le cytoplasme. Donc, regardez ici. Cette cellule qui se kératinise, ce n'est pas une superficielle, c'est une intermédiaire qui veut devenir superficielle, qui est partiellement kératinisée. Le rouge ne concerne que sa moitié. Donc, une moitié de son cytoplasme qui est bleu, l'autre moitié de son cytoplasme qui est rouge, avec un noyau qui est bien coloré pour une superficielle. Donc, c'est vraiment une intermédiaire qui a fini sa croissance et qui a fini sa différenciation, qui veut devenir vraiment une superficielle. Regardez ici, quand elle devient superficielle, comment elle perd son noyau, il devient complètement kératinisé. Voilà une autre superficielle colorée par le MGG. Une superficielle qui est colorée par le MGG, qui garde un noyau, mais qui est petit et qui est en train d'entamer une étape de pycnose, bien sûr de mort par pycnose, c'est la superficielle. Cette superficielle, quand elle est complètement kératinisée, la kératine, elle va étouffer ce noyau, le faire mourir par pycnose et finalement se débarrasser de ce noyau pour devenir complètement anucléé. Donc, les cellules anucléées, c'est des cellules superficielles qui ont des pourtours irréguliers, angulaires, déchiquetés presque comme ça, déchirés parfois, avec présence de la kératine rouge-orangée si la coloration est à richor, sinon avec un bleu foncé par MGG ici, présence d'un noyau pycnotique ou absence carrément de noyau, c'est un degré de kératinisation très avancé. Donc ici, vous avez des petites intermédiaires, parabasales, petites intermédiaires allongées avec présence de leucocytes à l'intérieur du cytoplasme de ces cellules parabasales intermédiaires. C'est ce qu'on appelle les cellules typiques du métastrus, les cellules métastrales avec bien sûr présence de leucocytes à l'intérieur. On ne peut rencontrer ces cellules que pendant le métastrus. Ici, vous avez aussi une cellule grande intermédiaire qui se transforme en superficielle avec un noyau coloré en rouge et bien coloré et avec bien sûr des bords irréguliers qui commencent à devenir angulaires. Donc, vous voyez, en gros, les cellules, c'est quoi? C'est la parabasale, la petite intermédiaire, la grande intermédiaire
et finalement la superficielle nucléée et la superficielle anucléée. Donc ici, par exemple, c'est un paquet de cellules, des cellules superficielles kératinisées sans noyau qui se chevauchent comme ça, comme un signe vraiment de stress. Donc, vous voyez ici les superficielles kératinisées. Donc, voilà en gros, la morphologie des cellules liées avec, bien sûr, la coloration de la kératine ou non. Donc, que vous utilisiez une coloration qui va vous colorer la kératine ou pas, c'est toujours très, très, très important de connaître parfaitement votre morphologie. Et je reviendrai, si vous le permettez, à quelques images. D'ailleurs, vous allez voir le premier cas qu'on va voir, le premier cas clinique, ça va être une révision des différents types de cellules et différents stades de cycle avec la coloration MGG. Parce que je crois qu'on a fait beaucoup plus dans la coloration trichrome d'Arichor que MGG. Et pour vous, je crois que vous aurez plus de facilité de colorer vos lames dans vos cabinets ou dans vos universités avec le MGG que l'Arichor. Donc, il faut aussi parler du MGG. Donc, est-ce que c'est bon, Sandus, pour les oui, cellules? Oui, monsieur. Donc, revenons maintenant à nos lames. Donc, cette lame, après avoir fait bien sûr cette interprétation, c'est une lame de fin de prostrus ou alors un oestrus atypique. Pourquoi atypique? Parce qu'il reste quelques cellules bleues. Alors que pendant l'oestrus, normalement, il n'y a pas de cellules bleues, il n'y a pas de cellules qui ne sont pas kératinisées, à 100% kératinisées, mais il peut se passer que quelques cellules restent bleues. Voilà pourquoi on parle toujours de 80 à 100, mais jamais à 100%. Déjà, au-delà de 80, 8 cellules sur 10 kératinisées, on peut considérer que c'est un oestrus. Et ici, ça peut être aussi un fin prostrus. Alors, dites-moi ici, c'est quoi, Sanus? Alors, tu donnes la parole à quelqu'un d'autre pour essayer d'interpréter. Qu'est-ce qui veut intervenir? Sanus gère l'interactivité avec les participants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut interpréter? Allô, allô? Allô, allô? Alors, Sandus, allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Rahim, est-ce que vous êtes là? Allô? On vous entend, docteur. Ah, très bien. Donc, il faut. Je demande un volontaire pour interpréter avec moi. À quelqu'un qui voudrait intervenir. Alors, cette lame, qu'est-ce qu'on voit sur cette lame? Moi, je voudrais que votre interprétation obéisse toujours aux caractères généraux de la lame avant d'identifier les cellules. D'abord, dites-moi, est-ce que la lame est propre ou sale? Est-ce qu'elle est riche en cellules ou pas? Et c'est quoi les cellules qui sont les plus dominantes, hein? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est une prédominance? Oui, la lame, elle est propre. La lame, déjà, elle est propre. On voit qu'elle est propre, hein. Donc, les deux phases du cycle où la lame peut être propre, c'est l'oestrus et la transition oestrus-métoestrus. Donc, l'oestrus est transition oestrus-métoestrus et les deux périodes où la lame peut être propre. Ici, c'est clairement... C'est clair que c'est pas l'oestrus. Hein. Donc, il ne reste que la transition oestrus-métoestrus. On va voir. Après, les cellules nombreuses ici, c'est des cellules basophiles. Si on calcule ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et finalement, les kératinisés, combien? On voit qu'il y a beaucoup plus de basophiles que les acidophiles. Donc, l'indice de d'éosinophilie ou de kératinisation, il est faible. C'est des cellules basophiles. Donc, si on voit qu'il y a, on va dire, 7 pour 3, donc là, on est à peu près
atteint les 30% de kératinisation. Donc, il y a vraiment 70% et plus de cellules basophiles. Donc, il y a 30 à moins de 30% de cellules acidophiles ou là, de cellules kératinisées. Zidon chauffe, il y a même des parabasales, ce que vous voyez ici, il y a des parabasales, et il y a absence de globules rouges. Il n'y a pas de globules rouges. Donc, si c'était un prostrus, on aurait trouvé des globules rouges. Donc, il n'y a pas de globules rouges. Le fond est clair, mais il y a beaucoup de cellules basophiles, comme si c'est la transition de l'œstrus-métastrus avec réapparition des cellules basophiles, mais ce n'est pas encore le temps pour l'arrivée des leucocytes. Donc, ça peut être vraiment une transition œstrus-métastrus, mais ça reste aussi possible pour un début de prostrus propre, atypique. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me dire aussi qu'est-ce que ça représente comme cycle ici? C'est la Richard toujours. Répondant, est-ce que c'est un frottisal? C'est un frottisal. Oui. Cellule aussi. Avec cette fois-ci beaucoup plus d'intermédiaires. Oui, c'est des basophiles, c'est très mal coloré de toutes les manières, un manque de différenciation par évaporation du différenciateur, et on a des leucocytes. Alors ici, on peut dire que c'est soit un métastrus normal ou une tendance vers une vaginite ou une métrite probable, bien que je ne sois pas très d'accord pour ça. Je dirais que c'est beaucoup plus un métastrus parce que la vaginite, c'est un nombre de leucocytes beaucoup plus important que ça. Il faut pas apprendre à faire des diagnostics trop faciles de vaginite et de métrite. Vous allez peut-être vous mettre dans des situations où vous allez devoir traiter, vous allez devoir intervenir pour vraiment des sur-diagnostics comme ça par excès. Donc, vous avez une autre lame. C'est quoi cette lame? Le frottis, il est sale. Et quand je vous dis le frottis est sale, c'est le fond de la lame, c'est-à-dire entre les cellules. Là où il n'y a pas de cellules, c'est le fond de la lame. Le fond de la lame, pourquoi il est sale? Parce qu'il y a un mucus qui vient avec l'écoulement, et ce mucus qu'on a étalé avec les cellules, quand on colore la lame, il va tenir la coloration, il va garder, il va prendre la coloration. Et quand il prend la coloration, il donne un aspect sale. Donc, il y a les débris des cellules dégradées, surtout pendant le métastrus et le prostrus. Il y a le mucus dans les sécrétions vaginales qui va colorer. Parce qu'en réalité, en principe, la lame en vert, s'il n'y a pas de matériel débris cellulaire et mucus qui se dépose, le colorant ne va pas rester sur le vert de la lame. Donc, on va trouver une lame propre. Mais s'il y a un mucus, ça nous donne une idée sur la phase du cycle où il y a vraiment sécrétion de mucus et débris cellulaires. Alors ici, le frottis est sale, beaucoup plus d'intermédiaires et de superficiels. Mais le problème ici, c'est que toutes les cellules sont acidophiles, aussi bien la parabasale. Est-ce que la parabasale peut être acidophile? La parabasale, Hadi. Serait la quand même, la parabasale. Parce que, vous savez, la parabasale n'a pas de récepteur pour les œstrogènes. Elle ne peut pas recevoir l'effet des œstrogènes pour la kératinisation. C'est à partir du moment où elle devient grande intermédiaire qu'elle peut être kératinisée, qu'elle reçoit l'effet des œstrogènes par kératinisation. Donc, si on voit une parabasale comme ça, rouge, ça veut dire qu'il y a un problème de coloration. Et ici, c'est un frottis mal coloré, par artefact de coloration. Donc, on va dire au monsieur, شحال عندك ما بدلتش لي بان تاعك. Certainement, ملي شرا هذاك الكولورون هو يخدم به ما بدلو ما راح فلتراه ما والو. Non, il ne faut pas déconner. Il faut changer les bains assez régulièrement quand on voit que leur pouvoir de coloration commence à diminuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'était le premier exercice. Le deuxième, il n'y aura pas d'assistance, c'est vous. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez sur cette petite lame? Il n'y a rien d'écrit, donc vous pouvez intervenir. Dites-moi, microphotographie de l'âme, qu'est-ce que vous voyez? Décrivez. Ça, c'est pas... Des cellules intermédiaires.
Intermédiaire, grande intermédiaire. N'golo, grande et petite, exactement. Donc, grande et petite intermédiaire, et je dirais que ça pourrait même être une petite parabasale qui commence à s'allonger, qui commence à s'allonger juste pour devenir petite intermédiaire. Ici, elle est déjà petite intermédiaire qui veut devenir grande intermédiaire. Mais ici, ce qui est vraiment notable, c'est la présence de bactéries. Là, ce n'est pas des bactéries. Non. Les leucocytes. Lymphocytes. Les leucocytes, les leucocytes, les polymorphonucléaires, le noyau tahmiben. Ça, c'est les noyaux que vous voyez. Les cytoplasmes ne sont pas apparents ici. Donc, ça, tout ça, c'est un nombre important. Si on va compter les leucocytes ici, quand on fait la cytologie, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui travaillent sur la reproduction des équidés, la reproduction équine? Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la reproduction équine ici parmi nous? Ils sont certainement au courant que dans le diagnostic cytologique des endométrites de la jument, on fait le frottis, mais si vaginal de la jument, on fait le frottis utérin, parce qu'on peut procéder directement à l'utérus. Donc, quand on fait un frottis utérin, on fait vraiment un frottis utérin, et le frottis utérin, c'est pour faire un frottis inflammatoire, pour faire le diagnostic des endométrites. Et les endométrites sont diagnostiquées avec, bien sûr, une petite échelle par nombre de leucocytes sur la lame. Quand on a entre 7 et 9 leucocytes sur la lame, 400, grossissement 400, yani l'objectif 40, on considère que c'est une vaginite. Alors ici, c'est une lame avec grossissement 400. Vous pouvez compter ici facilement 40 leucocytes. Donc, ça a dépassé toutes les normes. Si on compare avec ce qui se fait dans la jument et tout. Donc, quand on voit visuellement comme ça, c'est clair que c'est une vaginite. Voilà, ça peut être une vaginite, ça peut être une métrite, ça peut être quoi aussi? Une cystite. Parce que quand on trouve des leucocytes sur un frottis, tout ce qu'on peut dire que c'est head ou les leucocytes, Joe, mais le vagin, mais si forcément le vagin, déjà ou dans les sécrétions vaginales. Et dans l'écoulement vaginal, il peut provenir du vagin, il peut provenir du vestibule, il peut provenir de l'utérus, comme il peut provenir aussi de l'appareil urinaire, hein, cystite ou la urétrite. Donc ici, on va examiner le vestibule directement et le vagin. Si on voit des signes, bien sûr, de vaginite, de vestibulite claire, c'est clair que c'est la vaginite. Si on ne voit pas des signes clairement observables de vaginite et de vestibulite, ça veut dire que c'est probablement une métrite ou là, c'est urinaire aussi. Donc, vous voyez que l'essentiel, c'est que le frottis là vous dit qu'il y a une infection urogénitale. Faites attention, faites votre diagnostic différentiel. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la deuxième ici? Des cellules superficielles. Superficielles, colorées beige. Un trichrome, ça a été. Ça doit être la richeur parce qu'on voit que c'est rouge, orangé et tout. Le noyau hao makanch khalas hna. Qu'est-ce qu'on voit ici sur cette lame? Un spermatozoïde. Ah, ok, une autre décapité. Ça veut dire que c'est un oestrus, mais ici, le frottis me permet de confirmer quoi? Une saillie. Donc, c'est un frottis de confirmation de saillie. Quand il y a une suspicion. Je peux vous répondre pour une période de 6 heures. Khalila kan amroha avant 6 heures, il y a des fortes chances de trouver des spermatozoïdes. S'il y a plus de 6 heures, il y a qadro des spermatozoïdes dans les sécrétions. Donc ici, on est sûr qu'au moins ta'amrat, ça fait 24 heures, plus ou moins. On se donne le temps. Donc c'est une lame de strus avec confirmation de saillie par présence de spermatozoïdes. Donc on parle de saillie ou là d'insémination. Qu'est-ce qu'on voit sur cette lame ici? Ololi, est-ce que les cellules sont rares ou sont riches? Sont rares. Rares. Plus ou moins. Plus ou moins.
plus ou moins. Donc, et les cellules là, c'est une très mal lame à la kulihal, mais les cellules sont toutes des parabasales. Hein. Elles ne sont pas très, très perceptibles. Donc, je dirais que c'est un anostreuse. La dernière lame, je vais avancer au chouïa. Hadi, qu'est-ce que vous voyez ici? Les cellules superficielles. Là. Et de sang, monsieur, non? C'est des globules rouges, les moujoudines, bzef. Là, on peut dire qu'on a une hémorragie vaginale qui est trouvée dans le vagin, mais qui peut provenir. Métrorragie. On peut parler de métrorragie, et là, on peut faire le diagnostic de métrorragie parfois, vous avez des métrorragies qui ne sont pas apparentes cliniquement, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir l'écoulement du sang, la fente vulvaire. Mais quand vous allez introduire votre écouvillon, il va ressortir rouge. Et quand vous faites le frottis, vous avez ça. Donc parfois, vous n'allez pas, surtout que la chienne, avec la réaction, elle se lèche, donc elle ne laisse pas apparaître beaucoup de sécrétions et tout. Donc, vous allez faire votre frottis pour diagnostiquer une métrorragie. Oui? Monsieur, est-ce que ça ne pourrait pas être une confusion entre une vraie métrorragie et une hémorragie provoquée par un traumatisme qu'on a provoqué? Ahsant, très cool. D'ailleurs, ce que j'étais en train de dire pour les débutants, on a dit trop de dire le frottis vaginal, il y a comme les couvillants, c'est-à-dire il y a des gestes. Quand vous allez apprendre à faire les choses pratiquement, vous allez vous apercevoir qu'il y a des gestes à faire. Par exemple, quand vous allez introduire l'écouvillon dans la supérieure des lèvres ou la dorsale, on conseille toujours de prendre la commissure inférieure entre pouce et index et de tirer vers le bas. Quand vous allez tirer la commissure inférieure, la réunion, donc les deux lèvres vers le bas, vous allez effacer les plis donc à la muqueuse et permettre un meilleur passage de votre écouvillon. Parfois, quand vous ne faites pas ce geste-là, votre écouvillon est accroché dans les plis dans le vestibule et ça ne progresse pas. Vous allez commencer à pousser contre un obstacle et c'est vraiment contre-indiqué de le faire. Hein. Vous poussez tellement, vous êtes stressé, vous voulez passer. Vous voyez que c'est uniquement 2 ou 3 cm qui sont rentrés, donc c'est-à-dire que vous êtes toujours dans le vestibule. Vous allez pousser très fort, à un certain moment, vous traumatisez. Vous ressortez le frottis tercum rouge. Vous faites un étalement, vous allez voir ça. Mais c'est un sang que vous avez pour vous-même. Donc, là, vous faites très attention. Là, si je vois, par exemple, que j'ai une image pareille avec un écouvillon qui a été introduit, mais si profondément dans le vagin, ça veut dire qu'il y a un problème, parce que là, j'ai récolté des cellules le vestibule. Et les cellules le vestibule ne ressemblent pas à ça. Vous voyez, il faut avoir toujours un esprit critique jusqu'au moment où vous allez être habitué à faire introduire votre écouvillon de la manière la plus saine et la plus correcte profondément dans le vagin. Donc, vous pouvez toujours, devant des cas pareils, refaire pour confirmer. Voilà. Donc, permettez-moi maintenant de rentrer dans les cas cliniques. Dans le cas, je connais l'Irlanda, involontaire Irlanda. Hi, les jeunes. Je connais. نبدأ le cas, on va raisonner ensemble. انا نحكم ورقه نكتب معاكم chacun يحكم le cas تاعو نبدا و répondre. Vous avez 4 cas, allez, faites vite. Donc Agi est une femelle de race Münsterlander, âgée de 3 ans. Oui, 3 ans, présente un œdème vulvaire et un écoulement sanguin
Manta œdème vulvaire et écoulement sanguinolent, ça peut être des chaleurs. Hein? Oui. Une série de frottis vaginaux sont réalisés et montés. Le G1, le G2, le G3, le G6. Le suivi, parce que ce n'est pas logique qu'un éleveur ou un propriétaire fasse autant de frottis. Hein. Vraiment pour la pédagogie. Hein. Là, peut-être que le cas, on l'a fait pour la pédagogie. Donc, vous voyez, J1, J2, J3, on va dire le J6, on va dire le J9, on va dire le J10, ou le 11, ou le 12. Et donc, on va voir ces lames, on va dire les deux cantons, chaque lame correspond à quel stade. Bien sûr, ça se fait dans le J1, J12. Maintenant, si vous voyez que c'est le prostrus, vous allez progresser, bien sûr, le J1, le J12. Mais ça, attention, il s'agit de la coloration rochéria diffuique. Il y en a le MGG. Il y a MGG. Donc, on ne sait pas le trichrome qui est le l'ahmar ou le zrago. Non. Donc, on trouve la morphologie des cellules. Hein. Donc, on ne va pas se fier. C'est toujours la même démarche d'interprétation. Ça, on va se fier beaucoup plus à la morphologie des cellules. Là, on va se fier. Déjà, a priori, c'est une lame sale. Khamja. Fiha des hématies. Vous voyez les hématies? Des globules rouges. Des globules rouges, kainin. Le fond, il est mucoïde, il est très sale. Il y a des cellules, les cellules? Les intermédiaires. Sahit. Mais quand je vous appelle les parabasales, mais kainin beaucoup, plus les intermédiaires. Les intermédiaires, est-ce que les intermédiaires bdaouit kératinisa ou chouya? Kainin les bdaou. Kainin les bdaou. Mange complètement. Donc, nous allons que c'est le prostrus. Prostrus. C'est le prostrus. Manage Arfin, est-ce que c'est le début ou est-ce que c'est la moitié? Certainement, mais chez la fin. Vous voulez qu'elle chez la fin parce que la fin ressemble vraiment à l'ostrus. Ou une choufou, les cellules superficielles kératinisées. Et le fond taha commence à s'éclaircir un peu. Parce que le strus, le fond, il devient clair. Parce que le mucus, si on donc, soit le début, soit la moitié du prostrus. Donc, le J interna, soit le début est le prostrus, soit la moitié est le prostrus. Rien ne vous dit, J2. J2, mais il est très bien. Vous voulez que vous vous dites comme vous. Toujours. Le même. Oui. On a le méthode. Deuxième assis, oui, un fond qui est quand même sale, des grandes intermédiaires, plus ou moins habin et varo quelques superficielles. Donc, manache bad melustrus, manache bad melustrus, attention. Troisième jour, oui, je raconte tout. Absence d'émasie, il n'y a pas d'émasie ici. Les émasies, d'où ils rochent. Les cellules là à mon début d'apparition des cellules superficielles. Ahsanti. Et le frotté devient propre. Plus ou moins propre. Plus ou moins. Oui. Plus ou moins. معناتها رانا بدينا نلحقوا la fin du prostrus. Ana بالنسبه ليا quand je fais très attention, c'est pas un ostrus, c'est la fin du prostrus. معناتها il est quand هو قال لك J1, J2, J3, بعد J6. 3 jours après forcément c'est le stress. Un angoul qui est qu'on abuse sur la cette hadi. Logiquement, nous allons rouhi fi le stress, nous allons rouhi fi le stress. Hay njarbou. Wa hadi hiya sah. Le G6, c'est vraiment des cellules superficielles li aslan son noyau. Superficielles. Vous chauffe le fond qui est clair, le fond qui est clair, mais qu'est-ce qui est tout le mucus, il est propre. Il est propre. Maintenant G6, c'est déjà le strus. Hi. Zed un chauffe le G9. Toujours le strus. La présence de bactéries, le belk. Des petites bactéries, les chauffe et tout. Ça n'a aucune signification pathologique. Hein. La flore, elle est tout à fait normale. On a une tendance au regroupement. Les cellules commencent à se chevaucher et regrouper en amas. Kératinisées, superficielles et tout. Elle est belk comme. باش نبهكم حاجه برك سنا لي شيفر كانوا في راسي جو ريسك دو لي زوبليي كونط اون برون لي سيلول بارابازال انترميديير بوتيت غروند اي سوبرفيسيال اون كومباري او لا تاي تاعها
نحكمو par exemple هذاك le la règle هذيك اللي نديروها dans le microscope هذاك باش نحسبوا qu'on appelle les talons là qui calculent la taille des cellules et on compare, on va trouver que la parabasale est une cellule dont le diamètre varie entre 10 et 25 microns et que la superficielle elle varie entre 40 et 75 microns. La parabasale entre 10 et 25, la superficielle entre 40 et 75, l'intermédiaire qui fait qu'elle varie selon vous entre 25 et 40. Ah, il ne faut pas que هذه مليحة كي تحتو لي فيها كون ما تحتو ليش فيها يسمى ما تحلليش معناتها de 10 à 25 c'est les parabasales, de 40 à 75 c'est les superficielles, alors que les intermédiaires هذو يقدروا يدمريو من 20 microns la taille d'une parabasale ou يقدروا يوصلوا le 70 qui est la taille du superficiel. Donc ne vous étonnez pas de voir une grande intermédiaire qui a la même taille qu'une superficielle. Donc, encore une fois, quand on parle de la morphologie, ce n'est pas la taille. Mais tu dis que la superficielle, on a une belle liste. Regarde l'intermédiaire, ça peut être ça, oui. Une grande intermédiaire, elle est grande intermédiaire parce que les bords ne sont pas angulaires, elle a un noyau bien coloré, elle n'est pas complètement kératinisée, ça reste toujours une intermédiaire, même quand elle a le 75 microns. Ça, c'est une remarque très importante, gardez-vous à faire ça. D'accord ? Donc, Khalena, il y a donc le G9, on va le G10. Où est-ce que le G10 ? Tout le monde, il y a toujours plus, mais il y a une chose qui est présente des globules rouges. Des globules rouges qui vous poseront toujours des problèmes comme pour la reproduction. Parce que la règle générale, le strus me fiche, les globules rouges, mais le strus me fiche, c'est la règle générale. Mais la pratique, vous allez dans la pratique oublier cette théorie et voir qu'il y a beaucoup de chiennes qui peuvent émettre des hématies, même pendant le strus ou pendant le métostrus, mais chez des mâles. Là, on a serré un peu l'intervalle. Mais je vois que la dispersion des cellules, c'est comme si la fin de l'œstrus est la préparation à la transition œstrus-métostrus. Je sens déjà, il y a de la cellule, que les je sens que ça ne va pas être un œstrus le J11. Et voilà. Donc, c'était clair que Hna, c'est l'œstrus. Hna, c'était l'œstrus. Hna, Rana, début œstrus. Hna, Rana, fait l'œstrus. Hna, fait l'œstrus. Hna, d'ailleurs, passe l'œstrus. La transition. La transition, c'est le J11. Hna, c'est le jour de transition. Et retenez une chose. Kinkounoufi l'œstrus qui va durer, par exemple, 7 jours, qui m'a aidé la chienne, ou là, qui va durer 9 jours. Si le 9e jour, c'est le dernier jour de l'œstrus, bad, le premier jour de métostrus, le changement, mais ça rage qui m'écane Hna. Hna, par exemple, permettez-moi de revenir en arrière. Hna, mais J3. Dina n'talou, J6. Quand on a, par exemple, J7, J8, J9, vous aurez vu des images semblables. Actemchi, semblable. On bad subitement. Le profil cytologique a totalement changé. C'est ce qu'on appelle un abrupt change. Abrupt change, c'est-à-dire un changement vraiment très brusque où le nombre de cellules kératinisées, l'indice de kératinisation, il compte à 100% et à 50%. C'est ce qu'on appelle le premier jour métostral. Le premier jour de métostrus cytologique, généralement, correspond au refus catégorique de saillie. La chienne, les dire qui m'a accra, dans mon expérience, on a un dor le seïd, on a dit l'yom ma qablet chel mal, il a dit le premier jour, tu as le métostrus, généralement la chienne ne reçoit pas le mal. C'est que tout a changé, mais ce n'est pas une règle générale. Ne faites pas ça, tu m'as fait blaster, tu peux être le mal. Donc, c'est un peu. Oui, allez-y. Donc, c'est à quel moment exactement de l'œstrus on peut faire l'acte d'insémination ou bien le... Ah, ben, il a mis la première conférence. Oui, c'est
Mais écoutez, vous allez pardon? La période fécondable. Le fécondabilité. La période fécondable, donc je vais vous répondre tout de suite et vous allez, avec ces éléments de réponse, vous allez résoudre le deuxième cas, parce que nous avons fait le cas de la chienne Molly. Mais avant de parler de la chienne Molly, permettez-moi, Inch'Allah, de dire que je vais. Je vais prendre un truc. Alors, comment faire pour partager, pour changer, partager un écran blanc? Une option d'affichage. Nouveau, ouais. Nouvelle. Allez, prenons un tableau blanc. Donc, il y a le tableau blanc. Je vais essayer maintenant de vous faire le. Donc, adna l'axe. Deux pans. نبدأ par exemple نديرو حنا عندنا par exemple هنا le prostrus hein. Donc on va dire ça c'est le prostrus. Le prostrus fait l'augmentation des on va dire des œstrogènes. Hein. Les œstrogènes هنا وين نبداو بلي 30% 50% 70% de kératinisation ou هنا وين يبدا l'œstrus. Dire comme ça. Et cet œstrus ici, à un certain moment, il y a un pic de LH. Pic de LH, il y a un. Deux jours avant le pic de LH, il y a le pic d'œstrogène. Un jour, deux jours, c'est l'ovulation. L'ovulation, elle survient deux jours. Après le pic de LH. Entre la chienne, la particularité, c'est que les ovocytes ovulés ne sont pas fécondables. Où je les aimerais? Les aimerais deux jours ou deux jours, mais chez l'eau, mature. Début à la maturation, c'est deux jours après, après l'ovulation. Même là, deux jours après l'ovulation, c'est où je voulais dire, le type d'Ahna. Donc, le cellus il à peu près le pic de LH. Deux jours après, c'est l'ovulation. Deux jours après, maturation. Après la maturation, de deux jours à trois jours. De fécondabilité. Mais généralement, dans mes protocoles d'insémination artificielle, je base sur deux. Je me conchante des risques. Le changement brusque, yebda, elle met hna, hao, hao le sustain. Hna, fait le prostrus, où je peux garder une dire, fait le frotti, rire, bech narf, ou ktech, je commence à doser la progestérone. Même bad ici, une fois que n'akim le dosage de la progestérone, bech narf, l'ovulation terre et orahi, ça c'est mon repère. Andi deux jours. Pour deux à trois jours en réalité, pour que les ovocytes soient matures. Une fois qu'ils sont matures, ils vont rester fécondables et vivants pendant trois jours. Maintenant, c'est le métastase. La sécrétion de progestérone. Ça a été. Maintenant, vous avez des sécrétions de progestérone? Oui, avec une quantité infime. Maintenant, la période de fécondabilité. Fécondabilité, c'est une quantité importante de progestérone de la chienne. C'est, ça dépasse carrément les 20, 25 à 30 nanogrammes par mètre. Mais merci. Le progestérone, il est là progressivement. Progressivement. C'est un diagnostic d'ovulation. D'ovulation. C'est la fin. Ça, c'est l'atrésie. C'est la dégénérescence des ovocytes et la fermeture de l'alcool. C'est fini. C'est trop tard. Maintenant, il a mis le spermatozoïde ici. Le spermatozoïde, il va vivre, on va dire, 5 jours dans le tract génital. J'ai fait le schéma de Taoui, on appelle 2 jours. Oui, parce que je connais que la valeur, la qualité des spermatozoïdes laisse à désirer. Si je n'examine pas le sperme par moi-même, je lui donne 2 jours de durée de vie dans le tract génital. Donc, je préfère le mettre
le moment de fécondalité. Mais je peux admettre une, bien sûr, fertilité garantie de 5 jours de viabilité dans le tractus génital. Donc, en considérant que la période de fécondabilité absolue est celle-là. C'est là où les ovocytes sont à jour de fécondabilité absolue. Mais ça, à la base, 3 jours, c'est la notion de fécondabilité qui ne tient compte que des ovocytes. Mais il y a aussi la durée de vie de le spermatozoïde. Anakin Hotohana, par exemple, l'insémination. La saillie naturelle. Il a le spermatozoïde, Haligod. Hana, Nhar, Zouj, Yumin. Il garde les ovocytes. Donc, il a de fortes chances d'inséminer parce que déjà 2 jours garantis dans le tractus génital. Il a le jour tal LH, le jour tal pic de LH. Le jour tal pic de LH, il va rester dans le tractus génital 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. 4 jours. Il a qu'un lebesbi, 4 jours ça va, mais un dans les schémas, 4 jours, je suis à maïs garanti. Pas de mes boîtes, 4 jours. Mais ça, il a hâté tout un en prostrus. Oui, parce que là, le pic de LH déjà, si tout va bien, le jour tu as le pic de LH, il est à 4 jours, mais le début de la période de fécondabilité. Oui. Si vous revenez en arrière, ça serait des inséminations marginalement précoces. Et qui vont diminuer la fertilité. Il aime la fertilité et haptolek la prolificité, c'est-à-dire le nombre de chiots par portée. Bon, donc, le schéma. Je crois que là, j'ai répondu à la question de la fécondabilité et la fertilité de manière générale. Donc, on revient. Voilà, je partage à nouveau mon écran. Je reviens. Et là, maintenant, je vous demande de raisonner maintenant par rapport à ce cas. Et Allah, Hayasan de Smal Jama. Donc là, vous allez répondre. Vous allez répondre. C'est le cas. Je dis le cas. Chien Moli, ouais, berger australien, 5 ans. J'ai 20 ans que la propriétaire voudrait saillir. Ce dernier était absent en voyage toute la semaine dernière et à son retour le vendredi, il remarqua. Bien les dates, ou bien les dates parce que c'est donc le vendredi. Le vendredi, Allah. Il remarqua que sa chienne présente un œdème bulbaire intense et qu'une fois relâché dehors, pour se détendre, attire fortement le chien mâle du voisin. Donc, c'est-à-dire qu'elle a le dard vulvaire et elle attire le mâle. C'est les signes de chaleur. De chaleur. Et comme c'est le week-end. C'est le week-end, de peur de rater les chaleurs de sa chienne, lui qui a un éleveur expérimenté, prépare un frottis vaginal le vendredi soir. Et un deuxième le dimanche. Le lundi, il présente Molly à l'étalon et l'accouplement se passe sans aucune difficulté. Après, ça, le lundi dernier, après cet accouplement. Après cet accouplement d'urgence effectué en votre absence pendant le week-end, le propriétaire vous demande d'examiner les lames de frottis réalisées le vendredi et le samedi pour lui dire s'il a des chances d'avoir une portée de sa chienne ou pas. On argumente en réponse. Parfait. Je connais ma femme sur le cas. Hada, c'est un propriétaire expérimenté. Qui est le propriétaire expérimenté? Hada, c'est des cas réels aux États-Unis. Dans un centre de reproduction, qui est un éleveur expérimenté, il a fait le frottis,
on doit céder quelques gestes de base. Les professionnels, il ne faut pas qu'on nous limite. Donc, un frottis vaginal, c'est rien. On peut apprendre un éleveur professionnel, un certificat, des attestations de professionnels, la génétique, la reproduction, peu importe. Peu importe, ça c'est un autre débat. Le propriétaire terrain, qui a fait le week-end, il a fait le week-end. C'est le week-end. C'est la fin de semaine, début week-end. Maintenant, le jour, il y a des signes de chaleur dans la chaîne. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Triqamba, je voudrais savoir les caractéristiques d'un berger australien. D'accord. Quand il est pubère, ou je veux savoir l'âge de la chaîne. 5 ans. Maintenant, elle est pubère à 100%. وكانت تعمرت من قبل ودار لها هو لو سيفي دو سيكل تاعها وعندها فيرتيليتي توتا في نورمال ما عندهاش ان بروبليم دو فيرتيليتي ديجا سينيالي لاج 3 زون وي باسكو انا علاه كون نحب نعطي لك بار اكزومبل او كاين لو كان نيميرو 3 ولا 4 فيها ان بروبليم تاع لا بوبرتي نقول لك بلي سي لي بروميير شالور كي نقول لك بروميير شالور معناتها ما نعرفوش عليها بزاف اون فوا فير تري اتونسيون مي لا سي با لي بروميير شالور. Ni pour un éleveur professionnel qui a acheté une chienne, ou il dit biha plusieurs de porter biha professionnellement, c'est une chienne sur laquelle il connaît tout. Hein. Elle est d'une fertilité connue, d'une cyclicité connue et garantie. Donc, la puberté met hayrish rohak, la cyclicité met hayrish rohak. Donc, il faut donc trakzili, elle a le vendredi, chef les signes de chaleur, bda le frotti ta'o der un frotti le jour même. Le vendredi, vous êtes derrière un deuxième frottis le samedi. On bat, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a inséminé le lundi. C'est ça? Oui. Comme c'est le week-end, de peur de rater les chaleurs, lui qui est là, il part un frottis le vendredi et le dimanche. Et Haga, le dimanche. Donc, il a fait le vendredi et deux jours après, dimanche. Donc, oui. les deux frottis, les Andena, Andena frottis vendredi, Friday, ou Andena Saturday. Ou Andena, Vasai, Nderet, le lundi. Le lundi, il y a. Monday. Ça, Haya, Oshuwa, le matelot maintenant, est-ce que Had Sayyid, il a des chances d'avoir une portée, c'est-à-dire d'avoir une fertilité. Haya, Barka, Nchoufou, les frottis Tao. Le vendredi, Hawa, Sharawiko. Ou tu as dimanche, ah ouais, je l'avais dit, ou tu m'as ou chacun de vous, oui. Le frottis du vendredi, donc je présente un plan sale avec des cellules grandes, intermédiaires et superficielles aussi. Beaucoup plus superficielles, anucléées, le fond n'est pas sale. Il y a ça. Pas... Moi, je suis très sale, Yannick. Plus ou moins sale. Prostrus. Hein? Fin d'ostrus. Oui. C'est la fin de l'ostrus. Mais il y a prostrus. Je connais les gars de prostrus. La fin globules rouges. Ça a été. Enfin, d'ostrus. Intermédiaire. Grande taille. Voilà les grandes intermédiaires. Arrouhé là. Ah, moi, ce n'est pas un problème, non. Je plaisante, c'est pour créer un peu d'ambiance. Moi donc, aussi. Remarquez, le vendredi et le dimanche, quand il y a deux jours. Oui. Les deux jours, mais il faut séparer au prostrus ou métosrus, parce que le dimanche, au bien, c'était un métosrus. Oui. Maintenant, c'est vraiment l'ostrus fin ostrus. Oui. C'est fin ostrus. Et vous avez oublié que vous avez aussi le chevauchement des cellules. C'est des cellules superficielles, nucléées, anucléées,
شوفوا كيفاش لي بور تاعهم سون بليي شوفوا كي سون انغولير على قلت لكم سي با لا تاي اوبليي سيت هيستوار دو تاي اون بو تروفي اون سوبرفيسيال كي على ميم تاي كون غراند انترميديير مي لي بور تاعها سون انغولير elle est complètement kératinisée et elle n'a pas de noyau. Elle se chevauche. Chevaux. Et elle se chevauche. Elle est superficielle. 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 Il y a une des barques les chevaux à tout le monde. Elle est gardien de goulé. Mais allez, je ne peux pas admettre Wahda. Mais Wahda sur combien? Donc là, je suis à 90% de kératinisation. Avec un fond qui n'est pas sale, bzaf, et il n'y a pas de leucocytes, il n'y a pas d'hématies, avec chevauchement et regroupement de cellules superficielles kératinisées sans noyau, surtout, donc c'est le stress. Là, deux jours après, au Shandi. Fihedo les deux jours, mais le vendredi, le dimanche, ça rate la transition, les konanakaliha, ta eustrus, métestrus. Réapparition. Des parabasales et des ham les intermédiaires. Là, les petites intermédiaires, les parabasales et tout, ça, mais chez vous. Donc, maintenant, je sais le samedi sera le changement ou le dimanche, mais l'essentiel, le premier jour de météo sur le chiffre, c'est le dimanche. Hi, quand est-ce que sera la saillie? Qui laisse accepte l'acceptation du chevauchement ou le mal. Hadouga, c'est des critères très subjectifs. Ils ne sont pas finables. Hein. On oublie généralement, Métestrus, elle ne reçoit pas. Mais ce n'est pas une règle. Il y a des chiennes qui reçoivent quand même, même si elle n'est pas prête. Et vice-versa. Donc, peu importe. C'est compliqué. Alors, c'est compliqué. attention, il va prendre les mots taq, il va les prendre avec beaucoup de sérieux, ou il a goûté le hajam badou la digestion, ou il bête le faire avec le devoir taq. Il faut vraiment faire très attention à ce que vous avancez. Est-ce que vous avancez? Ça a provoqué une dose ou la P4. Mais allez, il n'y a pas possibilité parce que le cas c'est uniquement pour le frottis. Mais il a qu'un dertil P4, c'est encore mieux. Mais là, tu as dit que le P4, Rajel Jack, inséminera le dimanche, inséminera le lundi, ou probablement le jour d'insémination Jack, ou quand je l'ai inséminé aujourd'hui, avec un petit le frottis, les deux jours déjà de mes dessus sont passés. C'est clair que si vous faites le dosage de la progestérone, c'est clair que vous allez trouver des valeurs supérieur. Mais je dirais que c'est aussi une bonne méthode. Hein. Vous faites le dosage de la progestérone, un encolblé, là vous allez trouver des valeurs de 25, de 30 nanogrammes par ml. Donc, qu'est-ce que vous allez tirer comme conclusion? Qu'est-ce que vous allez répondre? Et à propos des vagues folliculaires, on aura des chiots d'un nombre moindre que la première fois. D'accord. Mais ça colle les dorka. Par rapport au schéma, les dessiné tout bien là. Le schéma que j'ai dessiné tout à l'heure. On a notre directement, Sandus. Je peux écrire directement sans changer d'écran. Et les annotations. Ouais. Alors, ici, le schéma avec les dernières gbirs. Voilà, on a dit le dernier jour, c'est Benesberina, c'est Ougeda ou Chewa? Dimanche. Dimanche. Ou insimina hna. Lundi. Ou hna, il a fait sa saïe. Ouais. Mais il a fait. Donc, hana, c'était le début de la méthode. Maintenant, on va revenir à l'or.
2 jours, 3 jours, c'était la fécondabilité. Bad, adna 2 jours de maturation. Voilà, c'est l'ovulation. Yeah. Mort l'ovulation de 2 jours, c'est l'LH. Pic de LH. Voilà, Ngolo, c'est quelques jours arrière, on colle aux armes, débute à l'œstrus. Hein. C'est-à-dire que l'œstrus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 à 9 jours. Kadri ou l'itani l'or, kadri hadou les périodiques de 2 à 3 jours, 2 à 3 jours. Donc ça va faire entre 7 et 9 jours une période moyenne. Ça peut aussi s'allonger, hein, s'allonger jusqu'à 20 jours. Hein. Donc, hna, houa un simina. Problème de connexion. C'est bon? C'est pas bon. Je sors par là? Voilà. Donc, il est probable que Molly ne soit pas fécondée. Oui. Monsieur, le son s'est coupé. Si vous pouvez nous répéter le dernier. Le son est coupé. Ouais. Non. C'est bon, Emma? Maintenant il est rétabli. Ah, bah très bien. Mais alors, le vendredi, elle s'est écrit, elle était clairement en œstrus cytologique. Mais on dit œstrus ou la métœstrus le dimanche. Seulement une seule superficielle qui existait. L'accouplement a eu lieu le lundi, qui est soit le premier jour ou le deuxième jour du métœstrus. Donc, en dehors de la période de fertilité. Prochain golo. En golo, il s'agit d'une confrontation entre les deux résultats contradictoires issus des deux méthodes de suivi du cycle. Une méthode subjective qui est l'acceptation de la femelle par le mâle, et vice-versa, ou là, une méthode objective qui est la cytologie vaginale, transition œstrus-métœstrus. Alors, laquelle des deux méthodes est la plus fiable? C'est bien sûr le frottis. Donc, pour nous, il est fort probable que la chienne soit, bien sûr, et dans ce cas, la chienne n'a pas été fécondée. Hein? N'a pas été fécondée. Elle est la chienne. Bon, le troisième cas, c'est Cinder. La puberté, faites attention, c'est 8 mois. Hein? 8 months old. Et c'est quoi? C'est Alaskan. Alaskan, donc c'est un Alaskan. Hein? Voilà, c'est donc, recently purchased from a sled dog kennel as an addition to a small but high quality racing team. Donc, vers les chiens de traîneau, le lundi. Toujours lundi, quand le nouveau propriétaire de Cinder l'a prélevé, le gérant à le chenil, il a informé que le dimanche, il y a eu un verrouillage. Qu'est-ce que le verrouillage? Tu la guettes avec le chien ou ça a un accouplement avec verrouillage. Donc, un verrouillage entre Cinder et un mâle entier du chenil. Mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter, la chienne n'était pas en chaleur, il n'avait pas montré de signe de strus, et que ce mâle l'avait monté parce qu'au fait, il n'y avait pas loin de son box une autre femelle. Ça, c'est des explications. Le nouveau propriétaire ne veut certainement pas que Cinder, soit gestante d'un mâle programmé. Donc, le mardi, qu'est-ce qu'il fait? Le lundi, il hague, le dimanche, le chien, ce sera à l'accouplement. Le mardi, il commence à préparer les frottis vaginaux pour confirmer le stade du cycle dans lequel elle était cette femelle. La question, Léa, quelles sont les chances pour que Cinder soit gestante? On va admettre que le mâle hada, il est fertile. Et quand il sera ou des accidents, il est toujours le mâle préfertile ou spermatozoïde, c'est bien dans le tract génital. Et où les gars, les chances de son côté. Quand vous programmez une saillie avec des chiens, et où la fertilité, là, ça désirait. Donc, c'est comme ça. Donc, admettez que le mâle est très fertile et basez-vous sur le moment d'accouplement par rapport à la progression du profil cytologique. Maintenant, comme je dosage la progestérone, uniquement le frottis. Rappelez-vous que l'accouplement a eu lieu le dimanche.
deux jours avant le premier frottis vaginal. Deux jours après la saillie. Ça va être une saillie le dimanche, ou le mardi, ou une chauffouche quand même. Alors, le mardi, chauffouche le ou le chenou. J'ai deux gouloulis intermédiaires. Intermédiaire. Il n'y a aucune intermédiaire ici. Amga, 100%. Il y a toujours le wahda garda. Elle n'a pas beaucoup d'effet. Donc là, on va avec chevauchement, kératinisation, camel superficiel. Elle est superficielle, mais là où il y a, je trouve que faire moi si elle est. Là, elle est exfoliée et généralement, quand elle est kératinisée à 100%, elle perd le noyau, elle se gélifie autour des tubes. Le cornflake, le maïs, donc là, c'est comme vous voyez les paquets de chips, donc les chips, donc chaitolam. Chevauché comme ça. Vous allez trouver un paquet de cellules chevauchées, ou parfois une seule cellule comme une feuille de printemps morte qui tombe de son arbre, ou de ses bois comme ça. Donc c'est un peu raté, parce que finalement, c'est des cellules mortes complètement et gélifiées. Hein. Donc ça, c'est le mardi. Z. Le mercredi, c'est toujours. C'est un fond clair. Il y a plus de chevauchement. Le chevauchement est plus. Chevaucher les cellules. Là, ouais. Ah, au Shihia. Au Shihia. Le chevauchement est plus accentué avec un plan. Très bien. Ça arrête. J'ai dégoulé un jour après, le jeudi. Le jeudi, c'est toujours un oestrus. Toujours un oestrus. Seulement, ici, je vois que le fond d'œil ou les fuyards. D'accord. Zidonhar, ouais, c'est attendu. Quand vous voyez qu'il y a quelques changements sur le fond qui devient mucoïde, attendez-vous à des petits changements. Regardez ici, par exemple. Hi, une intermédiaire. Hi, une intermédiaire. Oui. Réapparition de. Donc, et le champ, et le fond, b'day ou les fuyards. C'est-à-dire que b'day ou les une. Une lise, une dégradation des cellules, commence à se faire. Comme si Zamachlas, pour le système de reproduction, le strus est passé, donc il y a le paquet de cellules là qu'il faut le détruire. Oui. Pardon. Monsieur, les cellules intermédiaires, d'où viennent les cellules intermédiaires? Est-ce que une nouvelle vague ou là, les cellules kératinisées ou les intermédiaires? Non, c'est impossible. Quand vous faites un prélèvement, dans la période, par exemple, le prélèvement le mercredi, le couvillon TAC, il a pris des cellules à la surface de l'épithélium vaginal. L'épithélium vaginal, il était toujours sous l'effet des œstrogènes. La couche superficielle TAU, qui est constituée essentiellement par des superficiels. Donc, vous prélevez uniquement des superficiels. L'effet des œstrogènes commence. Si je fais avec la courbe, tu as les œstrogènes, les timchis pendant tout l'œstrus, ou le premier jour de métœstrus, elle chute. Avec la chute, mais si tu as les œstrogènes, l'effet des œstrogènes, l'effet des œstrogènes qui a duré pendant tout l'œstrus, il va baisser subitement le premier jour de métœstrus. Avec le premier jour de métœstrus, l'effet des œstrogènes qui baisse, tous les kaina. L'épaisseur l'épithélium vaginal ou la constituée à sa surface uniquement de superficiel en un jour ça va changer, les œstrogènes qui ont sous la multiplication, la différenciation et l'expiation tonkos, où tout l'épithélium il descend avec le nombre de couches terreau ou une superficielle à 100% de la surface et où les filles et où il fait des intermédiaires, des superficiels. Donc, qui trouve dire un tel prélèvement, vous avez un maximum de chances de ramener aussi bien des intermédiaires que de superficiels. On va dire que la couche cellulaire de l'épithélium, il était pratiquement de 18 à 20 couches, où la superficielle, Kamel, la couche la plus haute Kamel, les touchés d'un tableau couvillant, c'est une couche complètement kératinisée, exfoliée. Nous pouvons facilement rétablir les couvillons de Jibomokl. Là, c'est différent. Peut-être qu'on a fait 15, 14, 13 couches, où la couche la plus superficielle est constituée par un mélange
d'intermédiaire, grande intermédiaire et quelques superficielles. Vous voyez à peu près comment ça change. Donc, le jeudi, c'est la fin du process. Oui. Le vendredi, c'est le premier jour de métastruse. Je vois le premier jour de métastruse, réapparition des intermédiaires. Et on peut trouver même des parabates. Réapparition des intermédiaires. Attention, il y a toujours un regroupement en amas, mais ça, ce n'est pas un regroupement avec chevauchement. C'est ce qu'on appelle un regroupement en colonne. Typique le métastruse, typique la transition. Les cellules restent toujours distantes les unes par rapport aux autres. Donc, c'est des cellules regroupées sans chevauchement, mais vous n'allez pas les confondre avec le strus, parce que vous voyez ici que les cellules sont des cellules intermédiaires, basales, qui ne sont pas kératinisées. Donc 50% de kératinisation. Ça, c'était le vendredi. Le samedi, ça confirme que c'est le métastruse. Regardez les belles parabasales et les petites intermédiaires. Vous allez trouver les petites intermédiaires et les parabasales. Donc, Rajel Awistena fait la réponse. Houa, il a inséminé le vendredi. Le dimanche. Il a inséminé le lundi ou le octet. Le dimanche, deux jours. Le dimanche. Le dimanche, c'est le début de Strus. Parce que jeudi, Strus. Vendredi, Strus. C'est les trois derniers jours. Mardi, mercredi, jeudi, c'est les trois derniers jours. Le strus m'affiche vers 3 jours. Fait minimum 2 jours en arrière. Où il y a le dimanche. Le dimanche, c'est le 5 jours avant le jour avant le métastruse. 5 jours avant métastruse, qu'est-ce qui représente la fécondabilité? Probablement le strus. L'ovulation. Parce que l'ovulation, c'est ça là. On bat 2 jours de maturation, on bat 3 jours de fécondabilité. Maintenant, la chienne a été accouplée le jour de son ovulation. Et là, on admet que les spermatozoïdes, le mâle, sont fertiles et vont être fécondants pour au moins 48 heures ou la 72 heures, il est apte le dimanche, le matin, les ovocytes fécondables, ils vont les féconder, et il y aura, bien sûr, une saillie fécondante. Donc, en effet, la palpation abdominale 20 jours après, a confirmé la saillie accidentelle et Cinder était gestante. Elle a été saillie et elle a été gestante. Donc ça confirme. Le dernier cas, c'est une femelle dalmatienne âgée de 5 ans. Il s'agit de la première tentative de saillie. Attention, elle a 5 ans, ça, c'est la première fois qu'on l'a saillie. Elle est inconnue, un cycle inconnu. Son propriétaire a observé un œdème vulvaire et un saignement le 12 avril. Il commence la préparation des frottis vaginaux le 14 avril. Il a remarqué le 12 avril. Oui, deux jours après, il a commencé les frottis. Donc, elle a été saillie par un mal de fertilité connu le 20 avril. Être là le 14 d'août, le 20 avril, ou une deuxième saillie le 21. Elle a bien une mouche professionnelle. Parce que nous avons avec 24 rubinatomes, c'est une erreur. Aussi, à la question Tana,
observez attentivement les lames de frottis, présentées ci-après, et prédites si ces saillies seraient fécondantes ou pas, avec argument. T'as le 14 avril, pareil. Là, vous allez voir un petit écart de coloration. Ça dépend des colorants que vous utilisez, ça dépend de les... qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Regardez le 20 avril, la première lame. Regardez le 16 avril. Regardez le 20 avril, le jour de la première insémination. Le 22 avril. Le 24 avril. Le 26 avril. Le 27 avril. Et le 28. Le 29 avril pour confirmer. Hein. Et le 30 avril, là, c'est des gars. C'est la dernière lame. Mais je sais parce que vous connaissez Ibn Abbas, on fait la réponse. Alors, le 30 avril, le 29 avril, le 28 avril, le 27 avril. Le changement, c'est la transition entre œstrus et métœstrus. Et là, le 28, c'est le premier jour de métœstrus. Le 27, c'est le dernier jour d'œstrus. Le 27e jour. 6 jours. Le 27 à le 21. 6 jours. Le 21 de le 27. Le 27, Gedda. 3 jours plus 2, c'est 5 jours. Donc, Pahnhar, il a inséminé, on va dire, un jour avant. Avant le stress. Avant le strus ou là avant l'ovulation? Avant, Le commencement de l'ovulation. Donc avant l'ovulation. Avant l'ovulation. Parce que là, le 27. Le 27, on a le dernier jour de strus. Là, la fin de l'ovulation. L'ovulation, 10 jours après, c'est ça. L'ovulation, c'est 5 jours avant. Oui. Ah bon, genre avant, 3 jours de fécondabilité ou 2 jours de maturation. Là, l'ovulation. L'ovulation, ومن بعد نطيحوا في البيك تاع الاستروجين مع لي البروسيس اي تو دونك هو انسيمينا هنا ولا دار لا ساي تاعو هنا بعد ها يا اخي سي سا هنا ودارها نهار من قبل هذا الاش باردون 1 2 3 4 5 6 دار هنا ودار هنا سي كوم سا 1 2 3 alors 27 26 25, 24, 23, 22, 21 et 20. Donc, derrière, là, c'est le 21. Il en est rare de vous le dire pour moi. Oui, c'est le 20. Ça. Donc, est-ce qu'il y a des chances de saillir? Il peut y avoir des chances de saillie si les spermatozoïdes sont de bonne qualité. Oui, fort possible, monsieur. Parce qu'il y a deux jours. Si on considère que la viabilité... Pour arriver à la maturité des ovocytes. Le premier jour de Nishouf Rohib, il est normalement un dertagat pas serré. Ça va me décaler un peu ici. C'est-à-dire un anabda 1028, ou on colle hada le 27. 26, 25. 25. Le 24. 23. Le 23. Le 23. Là, où est-ce que c'est le 21. Le 23. Le 23. Zidi. Le 22. Le 21. Le 21. Le 21, هذه النحو هذا. Le 21, 21 c'est la première saillie ou دار وحده هنا. Deuxième saillie دار هنا اللي هي le 20. معناتها شوف نحسبوا له قداه من la période de fécondabilité qui est là. نهار زوج ثلاثة أربعة. معناتها
le spermatozoïde le chien plus de 4 jours vivant dans le tractus génital, ce qui est possible. Ça en a dans ma théorie, en a, je ne donne que 2 jours. Alors 4 jours, ça dépend. Rien chauffeur donc. Un chauffeur ou est-ce la réponse? Pense que ça a été fait. On a fait des annotations à nous. Passé. Ouais, c'est une nature. Les annotations effacer tout. T'as fait un va. Ohaya chauffeau. Wesh igoul. La réponse. 28, 29, 30. La dernière lame. La réponse. M'akda chouya. Parce qu'au fait, c'est une chienne qu'on ne connaît pas. La première fois dessus. Wesh igoul. Le problème, c'est que c'était un échec. Et on essaie d'expliquer où est-ce que c'est. Soit que c'est un problème de fertilité dans le mâle, ou là, quand on est d'accord avec le mâle, ça devient... Parce qu'on ne connaît pas la femelle. On ne sait pas. Donc, quel a été le problème? C'est difficile à dire. Oui, les saillies ont été marginalement précoces, grossièrement, au moment du pic de RH. Elle aurait été plus judicieuse d'avoir une autre saillie 2 à 4 jours après. Au moins qu'on a eu 48 heures après. Plutôt que 2 saillies, un jour d'intervalle, le meilleur conseil à donner au propriétaire de denter est d'essayer encore avec un meilleur protocole de saillie naturelle pour la prochaine fois. Et là, quand le problème persiste encore, j'ai la prise en charge d'un cas comme anostrus primaire, parce qu'elle n'a jamais eu de chaleur, elle n'a jamais été saillie. Et rechercher les causes probables en commençant par des malformations congénitales, car dentée n'avait jamais été saillie avant. Donc, de toutes les manières, quand vous intervenez dans le doute avec 2 inséminations serrées de 24 heures, c'est un protocole de saillie mahouche très bien conduit, de mouahdou, et finalement, et le résultat, c'est ça, c'est un échec. Pour répondre, il faut attendre les prochaines chaleurs, faire un bon suivi avec frottis vaginal, dosage de la progestérone, identification de l'ovulation, déroule un protocole Schweb. Si à ce moment-là, avec un meilleur protocole de suivi, il y aura toujours un échec, c'est un problème de fertilité, on va commencer à faire des explorations d'infertilité. Voilà, donc grosso modo, là, on arrive, peut-être c'est juste le temps pour ces chiennes de vous remercier. C'est les chiennes qui ont participé par leur matériel cellulaire aujourd'hui. C'est les chiennes qu'on a reçues au niveau de la plateforme pour les saillies ou là pour traitement les pathologies. Donc, c'est les chiennes qui vous fassent un coucou. Et c'est Laïka qui revient pour vous remercier et vous dire que le débat est ouvert, alors que le débat a déjà été ouvert et il est clos maintenant. Donc, les jeunes, à vous la parole, Sondo, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose à rajouter avant de clore. Merci à vous, docteur. Je vous en prie. Merci à monsieur Blala. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Rabbi Khalikum, j'espère, Inch'Allah, que ça a été bénéfique. Donc, ce que je vous demanderai, c'est d'être patient parce que ce genre de choses, il double l'ouqt. Donc, on va essayer d'apprendre à bien s'organiser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le débat est ouvert sur ça pour quelques secondes avant de partir. On a fait le suivi de cycle de manière générale. Je suis revenu le pour essayer de l'étudier en détail. Je voudrais la prochaine fois parler de la vaginoscopie, parce que le frottis vaginal, la vaginoscopie, l'échographie ovarienne et le dosage des hormones de reproduction, ce sont les outils d'exploration qu'on va retrouver souvent dans la prise en charge de la reproduction normale ou la prise en charge des problèmes de reproduction. Vous allez trouver le frottis, vous allez trouver la vaginoscopie, c'est-à-dire l'endoscopie, vous allez trouver l'échographie, vous allez trouver dosage des hormones, l'endocrino de manière générale. Donc, les autres explorations médicales relèvent de la médecine interne générale. Mais pour la reproduction, c'est souvent les éléments. Voilà pourquoi la habit dire le suivi, je fais le tour de ces techniques. Vous n'avez pas le maximum de détails sans suivi.
ou là, dans la gestion des troubles de la reproduction. Une fois qu'on aura fini, une fois qu'on aura fini avec ça, le drôlement, puis l'insémination, l'accouplement, la récolte, dans la gestation et on va voir la gestation. Monsieur, les participants proposent que fait les pathologies de la reproduction chez la chienne. D'accord. Et aussi le suivi de cycle de la chatte. Ah, la chatte, justement, j'étais en train de penser à insérer la chatte. Est-ce que vous voulez qu'on termine à la chienne Kamel ou lundi ou le cycle de la chienne ou Ndoro le cycle de la chatte? On termine la chienne. La chienne, d'abord, après. Après, Thomas, vous pouvez vous consulter, binetcom, et vous allez me dire vers la fin, vous voulez qu'on termine كلش على الشين ولا ندير شين وشات comparativement. Ce sont deux façons de faire. Parce que la chatte, elle est très différente. Hein. La chatte, je vous dis, c'est un cycle différent. C'est un cycle les saisonnier d'abord. Il est saisonnier. Donc, c'est la différence avec la chienne. Ou c'est un cycle. Et d'une ovulation provoquée. Une ovulation provoquée. Maintenant, comme il y a quand le coït, mais qu'est-ce l'ovulation? Ou il aime qu'est-ce l'ovulation? Il aime qu'est-ce l'ovulation? Parce qu'il n'y a pas le coït. Le cycle, il doit me bloquer, frustrus, mais avancé. Imaginez, il fait prosrus, usrus, prosrus, usrus, prosrus, usrus. Ou est-ce que prosrus, usrus, qui me quinche ovulation, c'est-à-dire me quinche accouplement. La chatte n'a pas été accouplée et n'a pas ovulé. Elle va faire une période de chaleur prosrus, usrus, mais elle va se reposer 10 à 15 jours et elle va refaire un prosrus, usrus. Mais elle va se reposer et elle va refaire un oestrus, prostrus, oestrus, tout le long de la saison de reproduction. Qadra djib ga la saison, il y a fait d'argal qu'il y a l'intouma, ma khalitou hajga, t'okhrut. Qadra djib ga la saison, il y a rire, mais les chaleurs, interchaleurs. Chaleur, interchaleur. Elle ne passe pas à la phase lutéale parce qu'il n'y a pas eu d'ovulation, parce que tout simplement, elle n'a pas été provoquée par un coït. Maintenant, le coït, on va passer à la phase lutéale. Soit gestation s'il y a fécondation, soit il y a 15 fécondations, ça va être ovulation, mais qui n'a pas été fécondée, on va passer à une pseudo-gestation. Et la pseudo-gestation chez la chatte, elle est obligatoire. Elle est obligatoire et elle dure 45 jours. Maintenant, vous voyez, il y a qu'un ovulette, il y a deux cas, fécondé, non fécondé, ou il y a qu'un ovulette. Donc, c'est un schéma un peu différent. Oui, les problèmes ne sont pas importants vis-à-vis de la fertilité. Vous savez pourquoi? Parce que l'ovulation est provoquée par le coït. Vous avez compris? Elle est provoquée par quoi? Par le dépôt de l'espermatozoïde. Maintenant, qui déposait le spermatozoïde, 24-36 heures après, quand l'ovulation, ou les ovocytes de la chatte, les ovules ou les ovules ou fécondables, qui me gardent les femelles domestiques. Mais ce qui me le problème à la chienne, oui, les 48 heures de maturation. Vous voyez, donc, et la chatte n'a pas de problème à la luthénisation préovulatoire des follicules calipers. C'est-à-dire, on ne peut pas faire dosage de la progestérone pour diagnostic de l'ovulation. Mais qu'est-ce que je me donc, c'est un... il y a beaucoup de particularités. Qui m'a dit le docteur Hanan Gbil, je sais pas, je lui ai dit la chatte aussi. Hanani, pardon. Alors, je disais la collecte et la cancer, nous, la chatte aussi peut être tenue et prise pour modèle d'étude et d'application de la sauvage. Parce que c'est en travaillant sur la chatte qu'on va apprendre à régler les problèmes qu'ont les grands félins sauvages en Algérie, que ce soit en captivité, dans les zoos ou là en parcs nationaux. Ça, c'est aussi très intéressant. Peut-être qu'on n'aura pas toujours l'occasion d'intervenir sur les grands félins, mais en travaillant sur le chat domestique, c'est déjà un modèle qui est complètement apparenté. À part quelques écarts qu'on va citer en temps opportun. Bon, voilà. Donc, c'est le protocole, plutôt le programme que je vous propose. Mbad, je serai attentif et réceptif à toute proposition de changement de programme pour balancer la féline ou pour entrer dans la pathologie directement.
Anna, je voudrais, parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations par rapport à la phase lutéale de la chaîne. Mais le problème de la phase lutéale de la chaîne en dehors de la gestation. Parce que pendant la gestation, il y a beaucoup de particularités. Mais en dehors de la gestation, la phase lutéale de la chaîne, elle est très, très particulière et elle continuera à nous poser des problèmes. Vous savez que actuellement, au jour d'aujourd'hui, dans la fécondation in vitro de la chienne, on ne peut pas avancer parce que la fécondation, parce que la maturation in vitro ne peut pas se faire, parce qu'au fait, la maturation naturelle intratubaire, on n'arrive pas à l'expliquer. L'ovocyte de la chienne pondu n'est pas fécondable ou les embryons deux jours dans l'oviducte pour qu'il se mature. Quels sont ces facteurs qui interviennent dans la régulation de la fécondation in intratubaire. Alors, si on veut reproduire ça in vitro, dans un cadre de maturation in vitro, parce que si on ne fait pas la maturation in vitro, on ne pourra pas faire la fécondation in vitro. Donc, la MIV avant la FIV. Et la MIV, on a haslem fiha parce qu'on n'arrive pas à maîtriser la maturation pour la déclencher et la reproduire artificiellement. Voilà pourquoi la chienne restait en retard dans les différentes générations de biotechnologie, parce que les éléments de compréhension et de maîtrise t'aident les phénomènes naxin chouya. Et la recherche se fait toujours pour répondre à ces questions. Voilà, donc, je vous remercie de votre patience. Merci à vous, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Je remercie encore une fois Sundus Maakem pour l'effort. Pas de quoi. Et je vous promets la prochaine fois d'être plus pédagogique et d'arrêter de faire des conférences de deux heures. Oui. Monsieur, quelle est la question? Ah, question, il n'y a pas de souci, allez-y. Est-ce que peut-être une petite question concernant comment la chienne va accepter leur fœtus pour ne pas réagir, pas comme un corps étranger, que chez la vache par intérieur? Genre, comment la chienne accepte leur fœtus pour ne pas réagir comme un corps étranger? Peut-être ma cache des récepteurs au niveau des cellules. Lors la gestation, comment la chienne accepte leur fœtus? Comme un corps étranger. Par rapport à la défense de l'organisme de la chienne. D'accord. Qu'est-ce que chez la vache par interférent comme un anti-titiolytique. Je ne peux pas répondre tout simplement parce que je n'ai pas d'élément de réponse. J'ai pas eu connaissance de résultats certifiés concernant ce point-là. Donc, franchement, j'ignore comment répondre à la question. Je vais peut-être essayer de chercher, mais je ne pense pas que la chienne fasse une exception aux autres femelles domestiques sur ce point-là. À moins qu'il y ait des études engagées, je vais voir, mais franchement, là, le point, je ne pourrais pas répondre parce que je n'ai pas de réponse certifiée. Je peux intervenir. Mais oui, allez-y, j'en prie. Oui. Donc, je pense que j'ai quelques éléments de réponse par rapport à ça. Très bien. Allez-y, j'en prie. Oui, c'est par rapport aux barrières pré- et post-zygotiques des espèces. Donc, le refus concerne beaucoup plus les fécondations dans les espèces qui ne sont pas apparentées. Très bien. Oui. Et c'est génétique. Et donc, c'est général. Donc, ça n'a aucune particularité pour la chienne. C'est génétique. C'est génétique, très bien. Oui, c'est une programmation génétique de l'organisme pour défendre des corps étrangers, notamment si l'animal est fécondé, par exemple, par un animal d'une autre espèce qui peut être fécondé. Très bien, et c'est logique, très très bien, parfait. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Elle est, voilà, donc c'est ça le débat. Et donc, est-ce qu'il reste des questions? Non, c'était terminé. Non. Goulino. Ok. Non, c'est bon.
Écoutez, sur ce, moi, je vous réitère mes remerciements. Je suis très content d'être parmi vous. Et vous savez, comme ça, on est tranquille. On pourra continuer à travailler à distance. Et comme ça, on sera tranquille. C'est mieux et que ça rentre. Voilà, voilà. Donc, mes amis, encore une fois, merci. Ou on se donne rendez-vous la prochaine fois. Ben, je vous souhaite de ce quand est-ce qu'elle va nous programmer la prochaine. Donc, sauf changement de programme, si vous voulez proposer, je changerai. Moi, je vais préparer de la vaginoscopie. Mais sinon, si vous voulez changer le programme, on va changer. Monsieur, on complète après une photo, les propositions. Très bien, ouais. Parfait. Je vous laisse gérer, Sandy. Je vous laisse gérer. Merci beaucoup. Encore une fois, merci, Rabbi Khalikoum, et à très bientôt, Inch'Allah. Et à vous.